Partagez, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Partagez, partagez. Moi-même, je partage. Partagez. On veut faire le décryptage. Ah, ah bon? Mm-hmm. Il a quel âge? 5 ans? 3 ans aujourd'hui. Merci. Ah, il a 3 ans. Oui, Mathieu a 3 ans aujourd'hui. On fait son âge. On fait l'anniversaire de Mathieu aujourd'hui. Donc, ah bon? C'est pour ça qu'il est fini de faire le décryptage vite fait là. Ah, tu me confonds. Waouh, Mathieu. Et je suis en train de préparer. Ouais. De l'outil de porc. Ah. Et vous voyez, je suis pomme aussi. Ah, il commence à goûter la terre, on est. En attendant que les invités arrivent. Demain, mon amie, jusqu'à manger la journée. Aïe. Anniversaire 20 ans. C'est ma soeur là que tu connais. Mm-hmm. Avec qui tu avais parlé. Quand tu veux le travail. Demain, je vais dormir, donc je serai seule ici demain. Je vais dormir. Eux aussi, pardon. Je travaille demain, j'ai les colis envoyés. Ah non, je veux, pour ce week-end-là, je vais rester seule. Je vais dormir. Partagez mes gens, partagez. Je viens de commencer, je suis arrivée, valait que je fasse. Je mets tout au feu, j'arrange les trucs sur la table. Non. Ah, ça. Partager, on va faire le décryptage. Monter le mercure. C'est comment? Quand il parle doucement, vous ne voulez pas. Partager. On veut décrypter la vidéo de Tata Lolo.
Taguer tout le monde. Partager. Montez le mercure, montez le mercure, montez le mercure, partagez. Moi-même, je suis en train de partager. Partagez. Partagez, on va faire le décryptage. Rendez-vous aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous. Je ne vois pas les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Sortez de la vidéo. Likez, partagez et vous entrez, vous prenez vos tabourets. Partagez. Partagez. Pourquoi je n'arrive pas? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vois pas m'empêcher de faire cette vidéo pour m'adresser à ma sœur et compatriote Flotte. En Afrique, on nous a toujours enseigné que la liesse est jeter ta fille compatriote à la vindique populaire. Tu nous as affirmé ce que tu parlais avec la mère des enfants de Bob Lee. Comme aujourd'hui, le décès de Bob Lee s'est fait confirmer par un autre média autre que le tien. Ça te fait mal. Tu viens d'écouter son direct. Tu as d'abord commencé que peut-être ils veulent l'argent pour soigner Bob Lee. Ensuite, tu viens, tu dis que donc, elle est au courant de tout ce que Bob Lee faisait sur la toile. Elle n'a jamais demandé à Bob Lee de laisser quand il a pété le champagne pour célébrer la mort de Julien. Mais Flore, elle est ta mère vie. Tu nous dis que ta mère est d'accord avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Question. Qu'est-ce qu'elle dirait pour être à Bob Lee? Elle pouvait dire quoi? Mes frères, si vous entendez qu'un Camerounais tombe en diaspora, ne cherchez pas l'homme, c'est son frère Camerounais qui est derrière. C'est ça. Moi, je vais défendre Mireille parce que je suis orpheline. Bonjour, monsieur. J'ai subi quand mon père était décédé. Je sais comment on a léniché ma mère. Je n'avais même pas honte. Vous en prenez une femme qui pleure encore le père de ses enfants. Il y a certaines femmes qui disent que quand Bob Lee était malade, tu étais où? Il y a les femmes ici, les mères célibataires qui ne connaissent même pas où est le père de leurs enfants. Où il est mort, où il a vie, vous ne connaissez pas. Mais vous vous permettez de juger les autres. Vous connaissez que quelle était sa relation avec Bob Lee? Moi, je trouve qu'elle était très intelligente. On a dit que Bob Lee pourrissait chez elle, elle a dit non. Il est mort dans la dignité. On a dit que Bob Lee était en sous-location, elle a dit non. Bob Lee louait trois chambres salon. Vous aurez voulu qu'elle dise quoi? Toi, Leslie, je vous dis que si vous voyez une femme qui a décidé de secouer ses fesses dures sur les barres de fer, c'est que la tête a fui l'école.
tu viens, tu dis que Bob Lee, sa dernière volonté, ne pouvait pas être qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Qui t'a dit que les binationaux ne veulent pas rentrer chez eux? Oh, il se vantait avec la nationalité américaine. Tu vivais avec lui? Question. Toi, tu viens confirmer les choses. Tu insultes qui? Mireille? Est-ce que Mireille est venue aux États-Unis par regroupement familial? Une femme qui vivait décemment, qui travaillait son argent. Ça vous prend par où? Go, elle veut l'argent. Elle veut l'argent pour faire quoi de ça? Question. Elle veut l'argent pour faire quoi? Si c'était moi, Mireille, j'enlève mon pied. Même le deuil là, je ne vous accompagne pas avec le corps. Quand vous allez rentrer, moi maintenant, je prends un jour. Mes enfants et moi, on descend pleurer dans la tranquillité parce que vous avez commencé la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Et moi, j'accuse Flore de Lille. C'est ça. Qui jette ta salle à la vindique populaire. Tu es responsable de... Je vérifie après. Belin, belin, cœur pour protéger le live. Les démons seront sans doute en liberté. Ne les laissez pas gagner. Libérez les cœurs. Je crois que... Bonjour à tout le monde, j'espère. Partagez le live. Parce que je vais mettre la vidéo de Tata Lolo. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Qu'on doit décrypter cette vidéo. Que vous montez, vous descendez, je vais décrypter. Personne ne choisit les vidéos que je dois décrypter. C'est ça qui est ça. Donc, partagez. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Vous voulez le Japap? On va vous servir. Vous voulez le Japap? On vous sert le Japap. Ne vous fâchez pas. Prenez le tabouret. Partagez la vidéo. Likez. Et abonnez-vous. C'est ça qui est ça. Onze partages depuis aujourd'hui là. Depuis aujourd'hui, 11 partages. Hein? 11 partages. Partagez. Aïe. Partagez la vidéo, taguez tout le monde. Partagez la vidéo, on lance les hostilités. Moi, ils ne voient même pas les cœurs. Il n'y a que ma soeur Michou qui met les cœurs. Le reste des personnes fait quoi? Bon. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Merci pour la peur qui met les cœurs. C'est ça qui est ça. Il faut partager et vous devez mettre les cœurs. Je dis, pourquoi je n'arrive pas? Michou m'a envoyé ça. Mais sauf que je n'arrive pas. C'est quoi le délire? Attendez un peu.
partager mes gens. Je cherche Aïe, c'est où? Attends. Partagez, mettez le cœur. Je ne sais pas si Tata le si Tata le va bloquer, dites qu'elle me débloque. Oh. Elle t'a bloqué. Ah oui, parce que je ne vois pas cette vidéo. Aïe. Taguez-moi, taguez-moi le Lolomania. Si Tata Lolo m'a bloqué, dis qu'elle me débloque. Je n'arrive pas à voir sa vidéo. Je vais décortiquer sa vidéo. Merci. C'est pas possible. Adama. Partagez. Je veux sauf que voir ça aujourd'hui. C'est quoi? Voilà. Dites à Tata Lolo de me débloquer. Si elle m'a bloqué, qu'elle me débloque. Parce que maintenant, là, et comme ça, je vais activer la cloche de notification pour voir les vidéos de tout le monde sur la toile. Hein? J'ai dit, vous mettez les attendez. Aïe. Mais vous êtes milliardaire. Elle a sa dignité, mon ami. Elle a sa dignité à respecter. Vous rentrez le système direct partout, vous faites les réunions sur elle. Milliard ou trois points. Vous n'êtes pas honte de sucer la pauvre femme de Tulip que le père de l'homme. Tu veux le père de père et ses enfants. Vous n'êtes pas honte de salir son image, de mentir sur elle. Tout ces peuples parce qu'elle a dit, elle ne vous connaît pas. Elle n'a jamais parlé. Pourquoi vous avez mal? Parce que vous avez passé votre temps à mentir dans les réseaux sociaux. Soit disant que les autres blogueurs sont pauvres. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Vous avez compris? Je suis riche. Et vous, je ne vous en dis pas. Vous masquez tout parce que vous voulez vous faire voir. Vous voulez dominer le monde. Vous n'allez jamais dominer le monde sur les réseaux sociaux. Vous n'allez jamais me dominer. Je suis la tête finie. Je suis la fille de. J'ai gardé mon statut de fille de. Me dis que je vais mourir comme un là. Je me fais crever. C'est ça. Partagez-moi le live là. Partagez. Où est-ce? Vous êtes les seuls dans les réseaux sociaux. Vous êtes détruits les jeunes filles. Tu veux une petite question dans les réseaux sociaux. Vous êtes qui? Je parle comme je veux. Tu n'es pas content. Tu dégages. D'accord? Ici on aboie. C'est ça qui est ça. Tu connais pas mon slogan? Tu connais pas mon slogan? Est-ce que c'est la broyeuse? Des prostituées qui suivent les barrages avec les pêtes jaunâtres, les boules de pistache coagulées, des insultes Mireille. Vous êtes malade? Vous êtes qui? Parce que vous avez le port, vous avez les réseaux sociaux, vous avez vous mon Dieu, l'impression que c'est pas haut, oh, attendez, je prends ma télé. Mais regardez-vous, vos vues merdiques, on s'en fout de vos milliards. Pourquoi nous voulons la relation, on a plus de dignité? Tu t'envoies tout l'âge du monde. Je vais balancer ça là-bas sur la télé. Partagez-moi la vidéo là. Jamais.
Il y aura des millions que tu vas jamais traverser. Tu ne vas jamais traverser ce million. Bipez-moi ma cause pour me prendre cette direction-ci. C'est un direct de tamponnement. Parle doucement. Regardez-moi un tocard. Tu sais pas que c'est la son appelle la voyeuse. C'est ça qui est ça. C'est pas ta maman, tu as compris. Dégage. Regardez-moi comment il est. Il est là comme un camion, puis avec sa chose, on a semblé blanc aussi partout au baptême. Il se retrouve là, tu as perdu de route. Wouh! On va aller sur YouTube. Laissez 5 étoiles. Passez-moi un peu son live là. Laissez 5 étoiles. Vous, aujourd'hui, vous les femmes, pourquoi vous les femmes africaines, vous les femmes africaines des réseaux sociaux, soi-disant des parenthèses et des blogueuses, vous n'êtes pas des blogueuses. Ma chérie, vous n'avez pas le cœur, vous êtes méchante. Jamais. Vous ne défendez jamais les droits de la femme. À chaque fois qu'il faut mettre une promesse sur les réseaux sociaux, vous tirez. Tu peux me mettre à cœur ouvert le mot fondé. Là-bas, là. S'il te plaît. Parce qu'il faut qu'on entende. À cœur ouvert et tata lolo. À cœur ouvert et tata lolo. Ça, attendez. Ouais, c'est où? Maman, je ne veux pas la publicité. Oh, regardez-moi les mauvais là. Attends, le... Je vais te répondre et je reprends.
vraiment ta maman. Mais celle qu'on appelle Mamboma, ma léche-léche, a eu peur de répondre à Bob Lee quand il était vivant. Maintenant qu'il est mort, c'est là qu'elle vient ouvrir ce qui lui sert de bouche. Maman, on peut faire comme ça. Elle vient se chamailler avec les cadavres maintenant. Mais quand il était vivant, on voulait voir la, celle qui dit qu'elle est star là. Hein, celle qui est tout pour elle, rien pour les autres là. Que vient parler, elle ne pouvait pas parler. Aujourd'hui là, elle se chamaille avec les cadavres. Adam, on peut faire ça. Oh, Niki, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te rembourse ça jusqu'à. Comme c'est sorti là, que ça entre nos bombes, que Dieu te donne le signe, que Dieu remplisse ton portefeuille. C'est qui la sœur de bouche? C'est maintenant que c'est chamaille. Ma léche-léche. Ma sans confiance. Elle m'a avec toute sa bataille. Aucun blogueur, même à la veille de l'autre vous étiez combien? Vous êtes combien à soutenir l'autre vie pendant sa vie? Vous étiez peu nombreux. Aujourd'hui, comme il faut à tout prix, ils ont sorti de partout jusqu'à Marco sur un pasteur. Tu mets sur le titre de ton direct que la femme de Bob va témoigner. Elle n'a jamais témoigné dans ton direct. Pourquoi tu as menti sur cette femme? Marco, tu as perdu la mère de tes enfants ici. Malgré nous tous nous avons accompagné. Tu étais vilipendé, c'est Bob Lee là, a pris ta part. Tu attends aujourd'hui qu'il me dit que tu mens, que la mère de son enfant vient témoigner. Je te dis. Et vous n'avez pas raté vos vies. Vous allez rater vos vies. Oh, ha. Vous voulez vous rattraper sur la toile. Vous mentez les gens. C'est d'abord que vous mentez, mais vous voulez vos sales vidéos. Un homme dit qu'il a les milliards. Tu as besoin de 3-0 de monétisation. Tu as besoin de. Tu n'as pas fait que les gens n'ont pas encore vu sur la toile. Tu as les 400 000 vues. Les 42 000 vues que tu as fait. Tu es l'un des fiancés les plus connus dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu as besoin de venir mentir sur une femme? Et cette femme sort. Elle dit la vérité au monde entier. Qu'elle n'a jamais parlé avec un blogueur. Vous la voulez? J'ai entendu le blog, le direct d'une de mes soeurs camerounaises. C'est vraiment honteux. Les camerounaises, vous faites honte. Chien Fabouna, tu viens insulter la soeur camerounaise qui a perdu deux ans, un homme avec deux enfants. Elle est aux États-Unis, loin de sa famille. Elle ne sait pas qui peut la soutenir. Elle est perdue au milieu des étrangers. Tu lui dis qu'elle faisait des larmes de crocodile. Ya! Parce qu'elle passe par la route directe. Tu viens insulter qu'elle pleurait l'âme de crocodile. Ma soeur. Hein? Tata Nono. Que vous êtes les King Kong. Les tonneaux nous sommes dans le. Comme un léche-léche. Vous allez voir ce qu'on appelle la puissance de l'éternel. Ce qui arrivera à Don Giovanni, ça vous arrivera. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi de Dieu. Personne n'est au-dessus de la loi. La maison. Une femme qui a perdu son enfant, toi, ta soeur camerounaise. Tu lances le live. Parce que moi, t'es pas fait que tu es plus riche que nous. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas plus riche que moi. Tu as les mains de la main de son père comme ça. La main de mon père n'a pas de peinture, mais ça en est tâche. D'accord. C'est pour le point que je ne manque pas aujourd'hui au Cameroun. C'est pour le point que je n'ai pas besoin de mettre les grands ciels que j'ai tort. C'est méchant ce que tu as fait à ta soeur camerounaise. Laisse-y pouvoir faire même. Je m'en fous. Laisse-y c'est une fois. Mais ta soeur camerounaise qui est loin dans un pays étranger. Elle est au milieu des Ivoiriens. Elle n'a personne. Elle perd un homme avec qui elle a croisé sa vie pendant 8 ans. Ils ont eu deux enfants. Tu t'as sorti qu'elle fait les larmes de crocodile. Parce que tu as les adeptes de ta secte, de ta sorcellerie qui vont réinsulter les gens. Et puis ça fait quoi? Depuis que vous insultez là, ça a tué qui? Depuis que vous dénigrez les gens, ça a tué qui? Au lieu de chanter ici, ça glisse sur elle. Chanter ici, elle est belle. Aujourd'hui, demain, après demain. Elle n'a plus de ministre. Vous n'avez plus de cochards. Il y a catégorie, pas catégorie. C'est ça.
Ce que Chantal était à faire au Cameroun. Son nom est dit dans la livre d'histoire au Cameroun. Okay, son livre est dans le mémoire culturel du Cameroun. Personne ne va changer ça. Oui, à cœur ouvert, à cœur ouvert, avec Tata Lolo. Mais c'est une Camerounaise qui n'a aucun problème avec toi. Parce que tu as menti sur elle. Tu as menti sur elle. Tu as mené, tu as tourné, tu veux te faire voir. Tu as fait de l'activité. Tu as fait de pouvoir. À cœur ouvert. Ma chérie. Donc moi, quand je suis, je suis, tu n'es rien. Tout ce que tu as, c'est le petit souffle de lit là. Ça se coupe, tu es pas. Tu viens, tu manges, on est sûr dans ton direct. Aucun scrupule, aucune limité, rien, pas de pitié, une mère avec des enfants. Tu es aux émouvements, tu suis quelqu'un. Quand tu insultes les gens, quand ils insultent les gens, tu t'as assis là. Quand toi tu insultes, ta mère est passée à côté de toi. Quand toi tu classes les gens, ta mère c'est comme qui est sûr, elle comprend français. Oui. Et elle est assise à côté de toi sur le canapé. Elle est assise à côté de toi sur le canapé, pourquoi elle rit non? Mais s'ils sont bons, ils insultent les gens, tu es sûr qu'elle habitait là-bas? Tu es sûr qu'elle avait une possession? Tu ignores les hommes noirs, comment les hommes noirs sont les dominateurs? Tu ignores les hommes noirs sont les dominateurs, tu ne veux pas imposer une loi à un homme dans sa maison, il te tape, il te met dehors. Tu es sûr qu'elle avait la rue. Dans tes dires, dans le monde des Camerounais là, il n'y a pas de problème quand même que les femmes sont à la régie. Comment est-ce qu'ils vont laisser le caleçon à la maison, son caleçon était percé, le mari à côté, la femme à côté, elle commande. Tu as dit que quoi? Maintenant, pour verser la pauvre dame, ta soeur camerounaise, dans les réseaux sociaux, pour faire plaisir aux Ivoiriens, tu as pas placé par ma cause. Ma cause, c'est un bandit, c'est un voleur. Je dis à ma cause, quand je fais à n'importe qui, il me connaît. Je n'ai pas peur de lui. Quand j'ai dit à ma cause, il tape, c'est qui va me faire quoi? Le lendemain, il a son dieu, il commande. Je ne suis pas placé par ma cause. Si à l'heure, tu ne pouvais pas placer par ma cause. Je dis à ma cause que je pense. Tu prends ta soeur camerounaise. Tu jettes dans la vérité populaire parce que tu as menti sur elle, ma, une blogueuse. Tu as pas du respect pour ses followers. Tu as du respect pour les gens qui la regardent. Surtout quand il s'agit d'un deuil. Tu aurais pu t'excuser. Mais tu demandes à madame, à la mère des enfants de Bobby, de s'excuser. De s'excuser des bêtises de son conjoint, même pas son mari. Yeah, mais c'est pas ça. Tata Lolo, t'es tous, t'es pour moi. Pourquoi elle va s'excuser? Il est mort. Il est mort. Taguez-moi le lolomania. Il est mort. Elle est finie pour quoi? Pour amener le corps des peuples. Pour amener le peuple vivant. Oui, c'est ça. Franchement, quand les gens sont bêtes. Elle est finie. Elle est qui? Bobby est mort. Tu dis qu'elle veut venir faire le live. Elle aurait dû s'excuser. C'est qui? Bobby est mort. Le père de son enfant et ses enfants est mort. Est-ce qu'elle veut changer quoi? Est-ce que tu veux changer toi? Quel est le point d'excuser de partager nos lives? Maintenant, pour verser la force de temps, ta soeur camerounaise, dans les réseaux sociaux, pour faire plaisir aux Ivoiriens, tu as encore blasé par ma cause. Ma cause, c'est un bandit, c'est un voleur. J'ai dit à ma cause, quand je veux, il y a des potes, lui, il connaît. Je n'ai pas peur de lui. Quand j'attends ma cause, il t'a fait, il va me faire quoi? Rien. Je ne suis pas blasé par ma cause. Si elle a le coup, je ne vais pas passer par ma cause. Je viens à ma cause que je parle. Tu prends ta soeur camerounaise, tu jettes à la vérité populaire. Parce que tu as menti sur elle, ma, une blogueuse. Tu as pas du respect pour ses followers. Tu as du respect pour les gens qui la regardent. Sous quel rire d'œil. Tu aurais pu t'excuser. Mais tu demandes à madame, à la mère des enfants de Bobby, de s'excuser. Des excuses des bêtises de son conjoint, même pas son mari, le père de ses enfants. Quelle va elle de l'avoir s'excuser? Par rapport à quoi elle va s'excuser? Question! Il est mort! Jaha! Il est mort! Bob, il est pas vivant. Bob, il est mort! Oui! Elle est sûre pourquoi? Pour amener le corps et Bobby. Pour amener Bob. Mais Mme Goma vient dire que, elle, comment dire, il n'est pas mort! Mamboma se met à se chamailler avec le cadavre. Adamo pour faire ça. Si on n'est plus zinzin, on est quoi? Question. Franchement, quand les gens sont bêtes,
Non, elle veut s'excuser. S'excuser sur qui? Bobby est mort. Tu dis qu'elle avait voulu faire le live. Elle aurait dû s'excuser sur qui? Bobby est mort. Le père de son enfant et de ses enfants est mort. Est-ce qu'elle devait changer quoi? Est-ce qu'elle devait changer quoi? Qu'elle devrait s'excuser, partager le live. Partager! 3500 personnes. Il y a 3500 personnes qui ont les yeux sur le compteur. Depuis ça, ça a fait 8 ans. Comme vous avez fait 8 ans, moi, je vais le 16 ans, parce que je m'en fous. Merci pour lui. Tu demandes à la soeur camerounaise. Bipez tous les blogueurs camerounais ici. Vous allez nous dénoncer. Vous n'êtes pas envahi la toile. Tu demandes à la soeur camerounaise. Ya! Ya! Boma! Ma Boma! Toi seul, aux États-Unis, je suis, je vous dépasse. C'est ça! Dans quoi? Tous les jours dans le pointage, la monétisation. Maman, t'attends, Lolo, elle nous dépasse dans quoi? Elle vous dépasse en dans quoi? Parce qu'elle tire les valises. Vous aussi, elle vous dépasse dans quoi? C'est parce qu'elle veut se voir. Tout pour elle, rien pour les autres. On continue. Donc tu es la femme du riche pour la langue du monde, tu vas pas pointer les 500 euros dans Facebook. Question! Hein? Vous pouvez ramasser les 1 euros par terre aux États-Unis. Yeah! Les femmes qui ont fait ça. Ouh! Les femmes qui ont fait ça. Maman, et dans Monaco, un voyage de 3 jours. Comment on va 3000 euros. Si tu crois que je mens, je mets la carte, je fais des dépôts sur Facebook. On n'a pas besoin. Les enfants de Dieu, Dieu les envoie sur les anges. Il est en soutien. Il a envie de reconnaître Dieu. C'est vrai, Tata Lolo. C'est-à-dire que les vraies personnes n'ont pas besoin de venir montrer sur les réseaux sociaux. Les vraies personnes. C'est-à-dire que Dieu t'envoie les anges. Je suis la preuve vivante. Dieu t'envoie les anges. Regardez, vous êtes là, vous me regardez. C'est Dieu qui vous envoie. C'est Dieu qui vous guide vers moi. C'est Dieu qui fait en sorte que vous soyez avec moi. On n'a pas besoin de se taper. De faire la propagande. Mais elle là, tout pour elle, rien pour les autres. Ma Boma, ma lèche. On continue. Place au bout du monde aussi. Je mets la capture sur Facebook. Ma mère avait 3000 euros cash. Je mets, vous voyez. Ça, c'est une vraie milliardaire. Ma part me donne, moi, je garde pour moi. C'est pour moi. Maman, j'étais vomi après mon pied. Comment une personne peut être concentrique comme ça? Et tu le sens que, oh, tu t'es riche? Non, tu n'aurais pas dû faire ça, ma chère soeur. Tu n'aurais pas dû faire ça, cette femme. Tu l'as fait du mal. Tu lui as fait les larmes et les crocodiles. Merde. Voilà le bas. C'est là où on appelle souvent pipitologue. C'est là où on appelle souvent pipitologue. Tu lui as fait les larmes et les crocodiles. Que Mireille lui parle pour quoi? Que c'est toi qui pousses Mireille à parler. Tu es qui? Tu es qui? Mireille est pas. Tata Lolo, on dit que tu es pipitolo. Tu n'es pas pipitolo. Parce que la seule différence entre toi et eux là, c'est qu'eux ils portent les longues robes. Quand ça commence à couler là, ils embaument les longues robes comme ça. Ils ne peuvent pas porter une robe comme ça ou comme ça là. Quand ça commence à couler, ils font comme ça là. Donc, où tu vois là, eux aussi, c'est les pipitolo. Voilà, on continue. Qui ignore que Bob y a tout dit la police, la femme en Corée. C'est ça qui est ça. La police, la femme en Corée. Il a dit dans le live. Quand il a fait l'université là-bas, quand il était parti, il a couru là-bas. Et Bob est revenu au Cameroun. Elle est partie du Cameroun. Elle a eu son genre, sa dream car. Elle est revenue dans la ville. Bonjour. Elle a rencontré ce gars qui a connu au Cameroun. Bonjour le général de Lolomania. Big up là-bas. Bonjour à toi. Je décrypte la vidéo. J'espère que vous allez bien. Merci. Mais toi, tu es venu t'asseoir. Tu vois ta soeur camerounaise qui a pu pleurer. Je te dis. Elle pleure pas pour cet homme. Hi! Elle pleure pour les enfants qui ne verront plus le père. Je te dis. Elle est stérile. Hi! Vous ne voulez pas bonne. Vous les mères d'enfants. Yeah! Ne suis pas les grand-mères. Ouh! Aussi les gros cœurs. Oulou! Vos enfants ne vont pas manger ça. Je te dis. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne me faites pas la. C'est ce qu'on appelle la justice divine. Elle est plus violente que la justice. Très violente. Vos enfants ne mangeront pas votre argent.
de l'eau, j'ai dit, quel argent? Ils ont d'abord quoi? Quel argent, Tata Lolo? Ils n'ont pas l'argent, ils font le fuma-fuma. On appelle ça du fuma-fuma, ils n'ont pas l'argent. S'ils avaient l'argent, Tata Lolo, ils allaient déjà, ils n'allaient pas signer les contrats avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'elle dit que toi, tu les dépasses. Ils n'allaient pas aller signer les contrats, aller racoler toutes les petites filles qui ont sorti les gammes derrière elle là. Elle n'allait pas aller racoler. Elle veut payer le loyer avec quoi? Si elle avait l'argent, elle n'allait pas aller racoler Adama. Elle allait sortir, continuer à sortir sa gamme de lait où on a mis là-bas. Donc il faut être fier de toi. Déchanceté, une maman, elle ne pleure pas. Même son père n'est plus le plus grand sorcier du monde. L'enfant ne peut être l'enfant de quelqu'un. C'est ça. Son père aimera tout son père. Oui. Même si vous êtes le plus méchant de la terre, les enfants aimaient leur papa méchant. Ouais. Aujourd'hui, ils ne verront plus leur père. Leur papa est habitué à s'amuser avec eux. Même si c'était le plus mauvais, il avait l'amour pour ses enfants. Il ne verra plus ses enfants. Ses enfants ne verront plus leur papa. Et t'as dit. C'est bon de leur vivre. J'ai trouvé, je pleurais, pas Julien, je pleurais ces deux petits garçons. Je dis, Seigneur, Julien paye les enfants, c'est à qui? Vous vous moquez d'elle. Tu te dis, t'as ta main sur la poitrine. Qu'elle pleure les larmes de crocodile. Parce qu'elle n'est pas venue dans ton tien. Parce qu'elle est exposée ton mensonge. Et comme elle est exposée ton mensonge, tellement tu es concentrique, tellement tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'aux autres, tu ne penses qu'aux douleurs des gens. Ça doit t'empêcher de venir l'humilier, la salir, parce qu'elle a démasqué ton mensonge, que j'ai parlé avec elle. Au lieu de dire que je m'excuse, ce que j'ai fait, c'est de l'insulter. Et tu as de l'eau. Tu as donné la passe à ta copine Leslie. C'est nous. Telle mère, Tata Lolo, telle mère, telle fille, quand tu donnes le brassard à un enfant, tu ne veux pas éduquer un enfant, tu veux que l'enfant devienne quoi? Elle est égocentrique, comme tu dis. Elle pense qu'à elle. Elle est une méchante femme. Elle veut que quand ça part de problème arrive, tout le monde sort. Tout le monde crie quand c'était sa part d'argent ici là. Nous tous on a crié, maman ma voici est partie. On a demandé l'argent, on a parlé, on a insulté l'homme le truie, on a insulté Amoud, on a traité Amoud de tout. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ma boma doit avoir son argent. Aujourd'hui, elle ne peut même pas penser que ouais, moi j'avais pleuré ici. Tout le monde s'est assise pour me défendre. Il faut que moi aussi je défende. Elle n'a jamais fait ça. Cette méchante femme-là. Cette méchante lèche-lèche-là. Cette femme qui est pourrie. Qui est comme un papier hygiénique après usage. Que tu torches ton nièvre et tu jettes. C'est ça qu'elle est devenue. Mais comme elle ne peut pas se dire que oui, je suis à finir. La pile est déchargée. Elle ne fait que faire un effort. Le jour qu'elle veut tomber, Dieu seul sait. Maman, Seigneur, je ne souhaite pas que la mort, mais elle là. Elle là. Qu'elle souhaite que personne, que rien, qu'elle ne doit plus avoir un problème. Parce que le problème qu'elle a eu avant Maurice, nous tous, on est sortis, ma lèche. Celle qui lèche les chiens, qui couche avec tous les chiens de la France. Méchant. Je dis que qu'elle est arrivée, elle devait demander pardon. Elle veut demander pardon à qui? Pourquoi? Elle a tué qui? Parce qu'elle-même demande pardon. Elle est responsable des problèmes de son mari? Non. Hey. Du père de l'enfant? Non. Non. Elle est blogueuse? Non. Non. Elle habite avec lui? Non. Cet homme qu'on a tous connu, Bob Lee, c'est un homme du caractère. Un homme qui avait du caractère. Un homme qui continue à arrêter les gens. Quand tu parlais, tu crois que Mireille, c'est comme il a vu sa caméra, elle a le pouvoir de parler à Bobby. Je t'ai dit. Qu'elle avait pas ce pouvoir-là. Mais tu demandes que, tu demandes à cette femme, le père de ses enfants. Tu n'as pas eu le père de tes enfants. Hein? Ah, Tata Lolo. Le père de tes enfants. Tata Lolo, elle a, donc elle a aussi un père d'enfants. Moi, elle savait qu'elle avait pondu ses enfants-là. Hein, comme un ver de terre. Une femme qui ne parle jamais du père de ses enfants. Jamais. Hein, on ne sait même pas avec qui elle a fait cet enfant-là. Elle ne parle jamais de sa vie.
dit à ses followers que, comme vous voyez là, j'ai accouché mon fils avec tel homme. Mais si c'est la bouche là qui peut s'allonger comme le cossi, quand c'est le problème d'une autre personne, sa bouche là s'allonge, ça atteint 3 mètres. Sa bouche là, ça devient 3 mètres en avant pour parler le problème de quelqu'un. Mais quand c'est son propre problème, elle ne parle pas, elle ne dit rien. Elle est, c'est-à-dire qu'elle protège pour elle, mais c'est pour les autres qu'elle est en train de vilipender, de se moquer, de mettre à l'avenue populaire. Même si on a vu ici pour Dorcy Yao, maman, elle est quittée avec son nièce et ses fesses qui bougent comme si il n'y a pas le caresson de sang dedans. Les fesses, une femme qui peut bouger comme ça, quand on parle. Les fesses, elle est quittée avec sa bouche comme ça, là, on dirait qu'elle ne porte jamais le caleçon ni le string. Parce qu'elle est prête à que le chien entre là-dedans. Maman, on peut faire ça. On continue, tata, le nom. Montre la fois du père et ton enfant. Hein? Tu as dit que le père et mon enfant est pas ça. Ouh! Oh. Tu protèges son image. Aïe! De son vivant. Tu protèges l'image du père et ton enfant. On n'a jamais vu le père et ton enfant. C'est mon ça! Enfant, il était pas ça. Aha. Il est pas ça. Il était pas ça. Mais pourquoi tu n'as plus notre femme? J'ai exposé l'homme qui a eu 200. Pourquoi tu veux me laisser l'homme qui a là? Tata Lolo, donc je comprends mieux maintenant. Donc c'est pour ça qu'elle est partie chez les Bassa encore. Parce que le père de son enfant, c'est un Bassa. Là, je comprends mieux. Je comprends très très bien maintenant. Aïe, Adama, je ne comprenais pas. Je me demandais que la qualité là, la qualité qu'on peut respecter quelqu'un comme ça là, on peut être le chinda de quelqu'un comme ça là. Donc c'est parce que. Aïe, Adama, je ne parle pas. Oh, je ne parle pas, je descends pas là-bas. Là-bas, je ne veux pas descendre. Attendez. Avec elle, deux enfants. Même pas toi, même pas un, mais deux. Pour toi, on n'a jamais vu le père de ton enfant. Même l'image. Le père ne rend pas. Par amour pour ton fils, je te comprends. Mais pourquoi toi, tu veux bien exposer le père de tes deux enfants? Elle a deux enfants avec cet homme. Parce qu'il t'a insulté. Tu n'as pas insulté qui? Même ce matin, tu as insulté la taille pas la taille de l'autre. Big up à l'eau. Tu ne l'as jamais commandé. Elle va te battre. Tu as compris? Ne t'inquiète pas. Chantal a ici, va lui battre. Comment a dépassé ce que sa copine lui a fait? Maman, à Foufou Club, on a tiré le chien là, la chienne là par terre comme si c'était un sac de macabre. On a tiré, elle avait une longue perruque, hein, sa cohorte amique a fait comme ça. Elle a tiré ça comme ça là sur le goudron. Elle a eu quelle force? Elle a quelle force? Cette chienne là, elle a quelle force? Elle n'a pas de force. Mamboma n'a pas de force. J'ai dit, moi je la frappe. J'ai dit que je la frappe. J'ai dit que le jour qu'on va se croiser, je vais enlever ces soeurs-là. Je vais donner deux bons coups de poing dedans. Elle va encore aller en Tunisie refaire les autres. Je vais encore l'envoyer refaire. Parce que son agent veut finir là-bas. Son agent qui dit là qu'elle en a. Moi, regarde, je me rajeunis pour elle. Parce que le jour qu'on va se trouver, je veux plier mon coup de poing comme ça. Je vais donner la prime. Et je vais rentrer avec. Elle va encore aller en Tunisie. Parce que. Quand c'est trop, c'est laid. Si elle ne se calme pas vite, elle va voir. J'avais fait un bal, tu commences à faire un bal. Fais un bal. Où vous allez me croire au Cameroun? Regarde en arrière. Vous allez bagarrer femme et femme. Moi, je ne bagarre pas, mais j'annonce les bagarres. Quand tu prends au Cameroun, je viens de derrière. Il n'y a aucune plainte. Elle ne dépose aucune plainte, vous allez bagarrer. C'est ça qui est ça. Pour le prendre contre le coup, le poids, c'est pas toi. Maman! Elle me l'a dit et je l'annonce. Quand je suis pas l'avion et qu'elle est au Cameroun, dans ta maman, elle sait que je suis pas l'avion et qu'elle est au Cameroun, elles vont quand même te battre. Tu as oublié de te battre, jalouse, méchante, aigrie. Tu as pleuré dans les cerveaux. Tous les Camerounais ont cotisé. Ah ah! C'est ça! Aujourd'hui, ta soeur camerounaise, qui est née au pays de l'âme longue ça. Elle n'a même pas les carolos. Elle se bat avec les deux enfants. Tu es humilié. Parce qu'elle a dit non. Tu n'es pas parlé avec toi. Elle ne te connaît pas. Tu as menti qu'elle a parlé avec d'autres Camerounais. Alors qu'elle n'a pas surveillé sa langue. Quand tu viens parler d'un problème que tu ne connais pas.
Nessa, tu dois demander pardon. Mais cette femme-là, si on peut appeler sa femme, elle est incapable, je dis bien incapable de demander pardon. Parce que par rapport à son orgueil, par rapport à elle, elle s'est dit qu'elle est star. Les stars qui ne peuvent pas demander pardon. Quelle est une star qui ne peut pas demander pardon? Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Hein? Mais elle là, elle ne demande pas pardon. Elle vient se mettre, tu vois comment elle bave en direct. Parce qu'elle n'avait rien à dire. Cette peau de pocherie là. Elle n'a pas avec aucun Camerounais, avec aucun blogueur. Tu vas nourrir quoi ici là, tu vas pas nous distraire. Les gens vont rester là, ils vont regarder mon direct. C'est ça qui est la ça. La manipulation, vous avez vu à faire les réseaux sociaux. Elle vous en prête la tête de la sorcellerie, les petites bordels, les pigeons, les verres, vos 15 euros. Quand vous allez l'acheter, vous allez l'acheter votre différence de vos parents. Vous allez suivre les pros, qui vous occupe de la haine. Elle en direct, je vous lave quand je veux. Tu as compris? Prenons la photo du gars Bassa que le père de son enfant envoie. Mireille nous a parlé de Bobby. Elle nous a parlé de Bobby. Mireille, c'est Carole, d'accord, ok. Mireille nous a parlé de Bobby. Parce que Mireille a un manteau camerounais partagé. Vivez tous les blogueurs camerounais. La sorcellerie est terminée. Oui. Boma, tu es sorcière. Boma. Tu es sorcière. Ma Boma. Sorcière patentée. Sorcière connasté! Elle a dit qu'elle a rien, elle a raté sa vie, elle a vendu le piment. J'ai vendu le pot pour toi, Lila, pour toi. J'ai vendu le. Tata Lolo, j'ai dit, elle dit que tu as vendu le piment. Et vous savez dire qu'un chien ne peut pas dire que. Comment on appelle ça? J'ai couché avec toi. Si alors que. Hein? Elle envoie tous les jours comment elle va vendre son piment, comment elle va porter le coup aux États-Unis. Comment est-il les valises? Mais nous, on te voit chez toi, chez ton mari. C'est ça qui est ça. Mais elle, là, un homme ne l'assume pas. Un homme ne pourrait jamais l'assumer. Parce qu'une femme qui a accouché avec un chien, maman les asticots de ça, maman les mopions de ça, maman les kanogo, maman quand ça coule, maman, c'est pour ça qu'elle ne porte plus. J'ai dit que tu allais mettre en kilo, on voit. Mets-toi en kilo d'envoi. Challenge. Une femme, qui a couché avec tous les chiens. Maman, ce qu'on a ramassé chez toi et avait mis à la fourrière là-bas, ils n'avaient même plus. Parce qu'on dirait que c'est les chiens que tu couches. Maman, une femme qui couche avec les chiens pour la Samaya, vous appelez ça femme. Vous appelez ça. J'ai dit que ça donne les nausées. Une femme qui a pourri le Cameroun, la diaspora camerounaise, pourri le Cameroun et une femme qui a pollué. Une femme qui a pollué le Cameroun. Une femme qui a fait du sale sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment on appelle ça? Aux jeunes. Qu'est-ce qu'elle a impacté sur les jeunes? Une pourriture de première classe. Elle dit qu'elle est borde-borde. Elle est borde-borde. Wolowos. De temps la Zidji Aïdjo. Avec toute sa bande. Le piment autour de toi, Lille, avec toi. Question. Partagez la vidéo. Bonjour à Carole Cohen, comment tu vas ma chérie?
Tu me comprends ce que c'est la polygamie? La polygamie n'est pas comme la monogamie. Hein? Tu verras que non, ni l'un des bons ne demande pardon. Quand elle a commencé, ni l'un demande pardon pour amener bon lit. Elle demande pardon pour qui? Pardon pour amener à qui? À qui? Mireille a fait quoi qui? Elle fait les larmes des crocodiles. Quelle larme les crocodiles? Toi tu pleurais. Regarde-moi une sapate. Une chienne. Allez. Une déchet de la nature. C'est ça. Une femme qui belle, une chienne. Voilà. Qui abandonne ta mère. Son oui. Petite maman. C'est bien. Qui a menti les Camerounais. Ça c'est la partie qui m'intéresse. Mettez les cœurs. Le $100. Qui est qui? C'est ça. Nous sommes des laisses. On a peur de déclencher. Tu n'as pas honte. Tu as ramené ta mère en France. Tu as fait un mois avec ta mère dans la même maison. Jamais. Aha. Tu as fait la même maison deux jours. Jamais. Voilà. Je suis parti. Parti. Même elle est bloquée. Je cherchais l'argent. Je fais ceci. Tu as abandonné ton unique maman. Elle est venue faire quoi en France? Regardez les pommes de juice. Tu es mal placé pour lui parler aux gens. Tu es comme une ça. Tu manges les chats. Avec quoi ta mère? Ta mère, il t'entend les gémissements. Elle veut que ce soit les hommes qui la baissent, elle veut que ce soit les hommes qui mangent son clitoris. Et tu veux parler à Mireille? Parle à moi. Tata Lolo, ce n'est pas les femmes qui mangent son couteau. C'est les chiens qui mangent son couteau. Tata Lolo, il faut rectifier ça. C'est les chiens qui mangent son couteau. Le couteau, c'est déjà carzigoué. C'est déjà élargi. Maman, le morpion qui sont versés dedans. Quelle femme qui peut lécher? Même Coco, tu as refusé les bêtises. Coco, tu as jeté à la poubelle. Elle a marché ici comme un singe, comme un chien qui cherche son os. Hein? Il faut rectifier ça, Tata Lolo. C'est pas une femme qui lèche, c'est le chien. On entend les gémissements du chien. Parce que quand le chien tire son quito là, maman, son couteau, le chien tire ça comme l'élastique. Elle veut venir parler, tu appelles sa femme. Elle n'est pas femme, Tata Lolo. Elle ne doit même pas parler, elle doit aller se cacher. Mais tu ne peux pas parler à Mireille. C'est ça. Mireille, c'est comme qu'elle est diplôme. Elle a fréquenté, elle a la récorde, elle a commis ses fesses. Pour aller venir là. C'est ça. C'est terrible de parler d'elle. Mais elle est classée très mal. Yvon, je suis avec toi, de tout si. Tu l'as dit qu'elle est une proportion. Tu l'as dit que Thaïs avait dit qu'elle m'a donné un nom. Tu t'es déjà dit que je voulais un nom au Cameroun. Tu as gardé ma relation avec Bambodja. Tu m'as donné un nom au Cameroun un jour. Tu m'as dit quoi, une compression sorcière? Voilà, Boma! De compression vampireuse! Voilà! Combien de têtes? Jara! Tu voulais quand même aller en prison au Cameroun? Wouh! Parle! Aïssa a dit que. Parle des artistes américains, non? Tu sais quoi dans les artistes ou quoi? Aha! Tu sais quoi dans les artistes et quand? Aha! Qui derrière elle? Elle se fait brûler! Wouh! Aïssa ne s'arrivera plus jamais! Wouh! Elle a venu là! Tu vas te battre! Aïe, ça ne jamais de ta vie. Tu es l'aide de ton père pour 100 000 fois. Quand tu vas ici debout, c'est la classe, c'est la relance. C'est ça. Regarde-toi, avec le corps qui a coupé, à l'accommoder le corps partout, les puits pompés, ici pompés là-bas. Maman, le sonia de partout, ma sonia, ma briquet. Tata Lolo, elle est partie coupée. Tu as vu le ventre qu'on est parti couper? Elle est partie couper le ventre, même comme ça, le ventre a dit que je ne peux pas rester à Plakali. Le ventre a dit que je ne reste pas à Plakali. Elle est comme une femme qui est enceinte de 6 mois. Maman, regarde une femme qui a 50 ans. 50 ans, 50 balais. 50 ans, 50 balais. Regarde comment le ventre est dur. Maman, cette femme-là, elle a coupé. Elle a coupé les seins. Mais ça, regarde. Tata Lolo, toi, tes seins sont bien dans le soutien. Une femme qui ne connaît pas la taille de son soutien, une femme qui le soutient jusqu'à ici, elle a coupé, ça a encore tombé. Qui veut supporter la carte là? Allons-y, Tata Lolo. Je suis avec toi. Moi, c'est sur la piqueterie. Je te dis. Si tu parles d'ici, la terre est sale. Hé! Mais un déchet qui parle d'ici. Elle appelle la carte là. C'est ça, Lolo? Comment elle a parlé des castillos? Le castillo ne parle pas des gens. C'est ça? Elle a parlé. Elle est portée pleine. Elle a parlé des castillos. Elle a parlé de quoi? Mais ça fait quoi? Elle a parlé. Dès la montée de voix. Je vais pas le voir. Merci. Elle a parlé des castillos. Elle a parlé de pourquoi chanter. Elle a parlé des ceci. Elle a parlé alors. Elle a parlé de la pénètre. Ça fait quoi? Nga Sadi,
partout elle passe. Elle va vous mettre la terreur, le désordre. Tu as rien à faire quand tu as un problème c'est grave. Avec tes têtes cassées, tu veux lui mettre la terreur, tu ne l'aimes pas. Tu as vu la blague en prison au Cameroun en parlant pour le maire, Yoki Onana. Lui, tu veux avoir un gars, tu es une haineuse. Vous êtes trop protégée. Ça fait combien de temps? L'affaire ici. L'affaire que Tata Lolo vient de sortir de la bouche là. J'avais pas parlé de ça ici. J'avais pas parlé de ça ici. On a dit que Nancy sort toujours derrière Mboma. Nancy sort toujours derrière Mboma. Est-ce que c'est moi qui parle encore? J'avais pas parlé ici. Que cette femme-ci va aller mettre sa soeur, sa copine en prison. C'est quelle amitié? Maman, le jour que ça va t'arriver, maman, je serai jaloux. Je serai jaloux. Parce qu'elle te prépare un coup. Quand elle veut te le doser, ça serait le relélé. J'avais parlé ici. Voilà ça qui sort. Maman, une femme qui veut seulement tout pour elle, rien pour les autres. Elle veut diviser. Elle ne veut pas. Quand il y a un problème sur la toile, elle ne vient jamais arranger. Elle veut seulement mettre semer la zizanie. Jamais. Elle a pris deux personnes. Elle trouve que vous avez des problèmes. Elle l'arrange. Jamais. Jamais elle veut seulement mettre le piment, elle met le sel, elle met le poivre, elle veut que ça prenne cette femme-là, cette mauvaise-là, cette léche-là, cette femme qui couche avec les chiens partout, cette femme qu'un homme ne peut pas supporter. Personne ne connaît sa vie. On y va, Tata Lolo. Ça ne va pas. Petit, on va, Mireille. Mireille, ne voit pas. Couillon. Mireille, elle lave les propos. Il faut ajouter couillon, va. Il avait tapé, il est menacé. Viens nous avoir les jeunes. Je vais mettre les génies, c'est comme ça. Viens nous raconter pourquoi tu sais pas de beaucoup. Je donne la puissance. Mais raconte-nous aussi. Bonjour. Raconte-nous ton histoire de couple. Tu veux que Mireille raconte son histoire avec un bon lit. Mais tu veux pas nous raconter ton histoire avec beaucoup et tout. Qu'est-ce que tu dégages? Quelle est-ce? Envoie-moi le bosser là. Regarde! Tu parles. Hé, Tata Lolo! Tu veux voir la diable? Tata Lolo, où elle disait que tu parles avec elle, tu parles avec elle, tu m'enregistres, tu parles avec elle. Maman, le meilleur mot qui est sur la fille là, elle ne peut pas parler de la relation avec Coco et Coco. Comment elle supplie Coco et Coco ici pour faire le lèche-lèche? C'est depuis ce temps-là qu'elle a commencé à prendre la direction des États-Unis. Une femme qui voulait mourir sans, comment on appelle ça, sans qu'elle part aux États-Unis. Quand elle était avec Coco Kwetu aussi, ou Coco Kwetu la cajolait, la montrait que voilà la route, voilà comment une femme s'occupe avec les enfants. Une petite bordel du premier, de bas étage. Toi tu dis qu'on la couche pour 20 euros, on la couche pour un euro. Un euro, elle est prête pour qu'on la lèche pour un euro. Une lèche, elle va venir parler ici, sale comme le porc. Même le porc même est propre. Même le porc est propre. Une personne qui pue. Une personne qui dégage. Maman, elle ne peut pas porter. Tu dis que tu as 40 ans, mais tu ne peux pas porter les habits d'une femme de ton âge. D'une femme de ton âge. Tu es toujours à porter les maxi. Même nous, les vieilles femmes là, on est toujours à sexy. On est toujours porté les habits qui nous met en valeur. Même cette poufiasse. Une mauvaise femme. Tu viens parler la mort de Bobli. Le jour que toi-même que Dieu veut t'appeler. Plus Dieu qu'il y a quelqu'un autour de toi qui peut te donner même à manger. Personne. Ceux qui te suivent là. La bouteille, le jour là, la bouteille va se casser. La bouteille que tu as mis tout le monde dedans là. Ça va faire pouf. Je te dis pas. Il faut retourner tes yeux derrière pour voir ce que les gens parlent de toi. Quand vous mettez les bouches sur les histoires des gens, vous ne voyez pas. Moi, je t'ai dit, comme tu as mis la bouche sur mon commerce, hein, je t'ai dit que je suis avec toi, Balata. Et ça ne choque pas. Que 200 hein? 1 euro. Je te laisse te passer, je m'en prie de toi. Mais je parle de toi, toi la saleté des nègres partent là, qui nage sur les chiffres et les pantalons. Tu vois, je parle de toi. Et là, même déçu, tout le temps, tu n'iras jamais avec Goudi. Tu n'iras jamais chez Madame Goudi. Tu n'iras jamais dans un bureau Cameroun. Et cela. Tata Lolo, qui veut l'inviter? Qui veut l'inviter là-bas? Qui veut l'inviter là-bas?
Tu, quand tu regardes, quand tu te regardes, tu regardes ma lèche, qui peut l'inviter là-bas? C'est parce que si on la voit là-bas, on va dire que le Cameroun est pourri. Le Tutsi, on va dire que le Cameroun est pourri. Elle va aller partager les haineux là-bas, montrer à toute la diaspora africaine que c'est les gourdes qui sont à vous. Qu'est-ce qu'elle peut dire de bien? Regarde même le langage. Elle dit qu'elle est partie à l'école. Elle dit qu'elle connaît le français. Regarde le langage. Toujours les gros mots. Toujours à dire insulter. Toujours à dire dénigrer. Elle ne veut pas qu'une autre personne, qu'on voit une autre personne que elle. Il lèche, lèche une porc. Hein? Une femme qu'on on la lèche pour les brochettes de 50 francs. Dangereuse. Mireille, les Camerounais vont te soutenir. Nous allons mettre un outil pour te soutenir, Mireille. Nous allons te soutenir. Moi, on va te laisser tomber. C'est une vieille sorcière. Tu as mis tes fesses dehors. À cause de la monétisation, elle veut faire la concurrence. Dès qu'elle a pris le parti, elle a fait la soirée. Elle est partie faire la soirée. Dès qu'elle a pris le parti, ah, ça c'est ça. Aujourd'hui, tata Lolo. Aujourd'hui là, tu vois, si moi et toi on est d'accord sur un point. Aujourd'hui, elle était propriétaire. Propriétaire de FDL. Maman n'entend plus parler. Elle a chanté, c'est que l'habilleuse, c'est pour moi. Hein? Tu te rappelles, tata Lolo, au Cameroun, tu mangeais. Tu ne la gérais même pas. Tu mangeais comme ça, elle voulait pas. Elle venait seulement parler dans ta bouche. Tu sais, on dit que je suis propriétaire. Hein? Quand je dis aux gens que je suis propriétaire de FDL, on dit que je mange. Tata Lolo ne la gérait même pas. Tata Lolo coupait, mangeait sa nourriture. Elle t'était penchée comme ça. Tu veux qu'elle sorte la photo là? Tu veux qu'elle sorte la vidéo là? Ngoué Satan, alias la chienne, lèche, lèche, zéro. On ne veut pas te laisser le Tutsi. Le Tutsi, tu veux descendre aux enfers. C'est moi qui te dis. Qu'est-ce que tu penses? Dites soutien à Mireille. Nous allons soutenir Mireille. Des vieilles bonnets, vous êtes les bonnets de toi. Les gens qui suivent les voitures pour 2 euros, pour 2 euros, pour 2 euros. Pour 1 euro. Pour 1 euro. Brochard, qui est assis à les trottoirs, dit, voilà mon mari. Maman, c'est le blanc là que tu avais épousé. Je te dis. Non, brochard, il est là. Je te dis. C'est ça que j'appelle Marie. Je te dis. Hé, mamie. Tu as dit qu'on m'attache. Moi, ma tâche, je ne mange pas les fesses. Je ne pleure pas les budgets des femmes. Je ne pleure pas les poils pleins de journal. Tata Lolo, est-ce que c'est toutes les femmes qu'on attache? Il faut que tu te sens, il faut que tu sois belle. Il faut que tu as le poitou qui le pond pour qu'un homme t'attache. Si tu ne peux, on ne peut pas t'attacher, si ton poitou ne répond pas, son poitou ne répond pas, Tata Lolo. Son poitou ne répond pas, il y a les articots qui sont dedans. On ne peut pas l'attacher. On ne peut pas l'attacher avec tout ça dans nous. On ne peut pas l'attacher. Le poitou est déjà écartement comme ça là. Maman, c'est parce que j'ai dit que ton poitou sentait bon jusqu'à qu'on t'a attaché. Maman, tu les ai incités pour qu'on ne pas les attacher. Tu as vu qu'on a attaché qui là-bas? Tu as vu qu'on a attaché qui? Qui a barré à la maison? Qui a même un djomba dehors? Ils n'ont pas de djomba. Ils n'ont personne. Donc, qui veut les attacher? Maman, hé, hey, tata Lolo, toi aussi, qui veut les attacher? Question. Le djomba, ils n'ont pas. Un homme pour les regarder, ils n'ont pas. Même un fou ne peut même pas les regarder, tata Lolo. Un fou ne peut pas les regarder. J'ai dit qu'elle a apporté tous les marxistes de la terre. Personne ne la regarde. Elle est devenue zéro papier hygiénique après usage. C'est ça qui est ça. Ngoué Satan, je suis avec toi. M'attache. C'est un homme qui m'attache. Toi, tu pleures. Pardon, donne-moi le clitoris. Tu sais, parle de mon père. Tu peux parler de mon père. Hein? Tu peux parler de mon père. Ouh. Déchets de la nature. Pas faire ton nom. Déchets du cabinet. Tata Lolo, c'est déchets du cabinet. Tu n'as pas honte de salir la femme camerounaise? Oui. Parce qu'elle a dit qu'elle ne te connaît pas. Mais elle ne te connaît pas. Tu as menti à tes followers. Combien de plus l'année tu mens? Tu as fait d'ailleurs menti que lui, mon nom fait vendre. Tu fais vendre, mais tu as pas vendu à DL. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je
Je te dis. C'est ma petite soeur. J'ai envie d'un visage pour une toile qui dit. Non. Tu as compris? C'est ma petite soeur. C'est ça qui est ça. Tu as tiré les gamins, les vendre des pauvres produits qui sont payés dans les caves partout dans tous les pays, les caves pour le football. En Angleterre, c'est gagné dans la cave. Aux États-Unis, gagné dans la cave. En Allemagne, gagné dans la cave. Tu as venu faire un jeu. Oui, on te fait aujourd'hui. Ils t'ont donc fait fondre. Tu as envoyé la porte, ton pauvre, une dame sale. C'est pour quelle raison je n'ai pas. Yeah! Et puis, ça, je sais faire. C'est pour ça que moi, je les dépasse. C'est ça qui est ça. Oui. Je ne peux pas travailler pour une autre femme. Oui, elle a fait ici. Elle veut travailler. Quand elle a vu qu'EDF est tombée, elle a vu que je vais manger où? Maman, mes fesses ne donnent plus. Mes fesses sont ouvertes comme sur l'autoroute de yaourt de Douala. Je fais comment pour manger? Maintenant, elle court. Maintenant, elle court derrière les petites soeurs. Les petites soeurs qui ont commencé derrière elle pour aller supplier. Pour dire que comment je veux manger? Comment je veux faire? Pardon, aide-moi. Toi, tu es quitté. Qui est quitté, patron de FDL? Tu as dit ici que personne ne respirait ici pour dire que, oh, tu es chef d'entreprise. C'est où maintenant? Tu n'as pas honte? Où ça? Les éternels 40 ans. Éternels 40 ans, chaque année j'ai 40 ans. Tu n'évolues pas. Maintenant, tu vas signer les contrats. Tu n'as pas honte. Tu quittes de là, tu tombes plus bas pour aller signer les contrats. Regarde-moi. Moi, j'évolue tous les jours. Hein. Tous les jours, j'évolue. Je sors les choses tous les jours. Tu es parti voler le nom de Patricia Mel ici. Tu es venu dire, oh, elle m'a dédommagé. Oh, elle m'a fait ceci. Oh, alors que dalle. Menteuse de première classe. Les mensonges vont t'attraper, maman. Commence à prier. Commence à prier. Commence à demander pardon aux gens. Parce que ce n'est pas ce que tu dis à Bob Lila. Parce que le jour que Dieu veut t'appeler, maman, tu veux, on veut demander que tu demandes à quelqu'un, allez m'appeler telle personne, je veux demander pardon. Maman, je te jure, tu ne fais même pas l'œil. Donc c'est moi qui te dis, va, commence à demander pardon, parce que ton cas est lourd. Ton cas est, je dis que ton cas est encore plus grave que pour Bob Lee. C'est ça qui est ça. Merci mes gens, partagez la vidéo. Les déchets, les poubelles. Les poubelles. Toi qui dis que la jalousie c'est maladie, tu dis à qui? À moi ou bien à Ngoé Satan? Parce que si tu dis à moi, tu veux sauter. Ici là, on ne parle pas fort sur ma page. On ne pleure pas ici. Si tu vas aller pleurer, tu parles loin. Sinon, mes filles vont s'en charger de toi. Alors, de qui tu parles? Alors, si tu écris encore, un mot déplacé là. Merci. Allez. Hola. Ici là, on ne pleure pas. Allez pleurer là-bas, loin. Ici là, on traite son faux cop. Et ça ne chauffe pas. On traite son faux cop. C'est ça qui est ça. On y va, tata. Elle a parlé. Bien compris. Elle a mal parlé de la première dame. Elle a mal parlé de la deuxième dame. Elle a parlé de la vérité. Elle a parlé de la mal du haut. Parce qu'elle ne parlait pas d'elle. Elle veut prendre le con. Vous savez son nom. C'est ça. Elle se défend. Ça va être la ligne pour son les soeurs. Soeurs, vous allez vous parler. Tu te mets dans le charbon au milieu. Elle retourne au village ensemble. C'est ça. Ce sont les soeurs. Oui. Tu as compris. Ce sont les soeurs. Tu es venu mettre ta soeur, tu es allé au carrefour. Tu vois, elle se là dans les poètes de la canale 2. Ah. Elles sont comme nous. Les gens ont dit qu'elle a quoi? Elle a le mari. Moi, on voit le coucher, on voit le chinois à la maison. Elle a quoi? Moi, elle petite, j'ai appris qu'elle a. Elle a mis la petite fille partout. Imbécile va. Imbécile va. Tu dis que va à l'école. Nancy se pointe. Je sors du travail. Tu dis à qui va à l'école? Je compte l'argent. Tu dis à qui va à l'école? Poufias va. Imbécile. Va du pied. Bande de lèche. Viens encore parler ici.
Moi, je bloque et je ne débloque pas. Hein. Quand je bloque là, il y a dit quand je bloque, je ne débloque pas. C'est ce que vous dites là. Allez boire les pêtes blanches. Moi, je ne bois pas ça. On ne me met pas dans la bouteille. Terminez ça. Alors, c'est tata de l'eau. On la pose comme la pizza. On prend la boule, on la dépose. Je te dis. Maman, je suis pauvre, mais je suis fier. C'est ça que ça. Tu es jaloux de Mireille. Tu es jaloux de Mireille. Elle pleurait. Elle fait les larmes de crocodile. Elle ne pleurait pas. Elle ne pleurait pas son mari. Elle a couru son mari. On y serait. Le bon seul t'a tapé ici, là, je suis passé à perdre l'immeuble. C'est bon, ouais. Tu as la photo de votre. Je te dis, les buveurs de buveurs de sperme. C'est ça que ça. Oui. Abri là. On ne pleure pas. On défend Mireille. On ne pleure pas. Vous aurez avec Mireille. Tous les Camerounais sont avec Mireille. Une place. Vous aurez accompagné. Mireille va jamais te reprendre. Tu sais comment tu regardes. C'est ça. Mireille a fait comme ça. Elle fait les larmes, les crocodiles. Elle ne pleurait pas. Sans la veuve de ton gars. Le père de ton enfant, Bassa. Un vieux professeur. Et puis il a les cheveux blancs jusqu'en bas de Pouchard. On a demandé le père de l'enfant. Montons voir. Le père de l'enfant. Tata Lolo, il n'a même pas les couilles. Parce que s'il avait les couilles, c'est que Ngoué Satan n'était pas parti. Le père de son enfant n'a pas les couilles. Ça ne se levait même pas. J'avais dit, si quelqu'un vient me voir, je te donne le secret. Le secret pour lever le plantain comme ça. Pour que ça lève, ça ne se retombe plus. J'ai dit que viens me ici. Maintenant, elle a préféré d'aller faire le lèche-lèche. Maman, la qualité que le plantain est bon. Maman, la qualité que quand on te met ça, mon Dieu, ça arrive sur la tête ici là. Tu as dit que toi-même tu jettes l'air. Le matin, tu as le sourire jusqu'au bout de lèvres. Ça dit que quelqu'un te parle mal, tu ne prends même pas ça en considération. Ce sont les gens qu'on n'arrive pas à bouillir, on n'arrive pas à mourir correctement et bien, qui sont aigris. Aigris. Les gens qui sont incapables. L'étoile brille que quand tu as à partir de 20 ans. Quand tu as 40 ans là, l'étoile ne brille plus. Hein? Mal léché, léché qui est parti acheter un nom pour lui donner le Kaolo. Hein? Quand elle commence à parler, elle prend le passeport, elle pose ici. Oh, je suis française. On dirait que c'est quelqu'un qui allait mourir sans avoir le passeport Bordeaux. Donc, à chaque fois qu'elle veut parler avec un Camerounais, une Camerounaise, elle prend le passeport, elle met ici. Maman, nous, on a changé 10. On a changé 10. On ne fait plus rien, on ne pose même pas ça sur nos poitrines. Une petite moufle, une petite lèche-lèche, tous les chiens l'ont refusé. Les chiens, maintenant, elle va chercher à, comment on appelle ça, elle va chercher maintenant aux États-Unis. Même les chiens aux États-Unis là, maman, quand ils seront fatigués, je ne te dis pas, tu vas te retrouver à l'hôpital. Tu vas te retrouver à l'hôpital. Il faut penser à ta famille, parce que si tu te retrouves à l'hôpital, mais bon, 11 000 euros. Maman, une femme qui n'est pas un junkie, fumeur, buveuse, une femme qui est sous la de première classe. Tu peux parler comme Nancy parlait là, sans une bouteille, sans un verre de whisky. Moi là, c'est le lait que je bois. Le lait, hein, le lait. Toi, tu ne peux pas boire pour venir parler sur Facebook. Il faut que tu te drogues. Tu bois d'abord l'alcool avant de venir parler sur Facebook. Donc, qui va? Reviens. On va te traiter. Et ces deux enfants, montre ta femme voir. Tu couvres ta femme, tu veux mettre les autres dehors. Pourquoi? Question. Elle ne pleurait pas. D'ailleurs, même, tu avais raconté que bon, il t'a fait. Ça fait quoi? Le bonheur t'a tapé, il a fait faire des meubles. Tu as raconté des photos. Où? Tu as raconté des points où tu le bosses, un gigolo. Elle a fermé, elle a mis la couverture que personne ne doit entendre. Tu m'as demandé la tête de pour toi. Si tu as une fois des mots de qui? Voilà, tu as mis la une maison là-bas deux semaines pour. C'est ça que ça. C'est ça que ça.
Non, tu parles pas, tu veux parler pour Mireille. Mmh. Parce que Mireille a mis des fesses dehors, menteuse patentée. Menteuse pourchassée. Quand tu as le petit gars qui est dans moi, tu l'as dans la vérité, tu portes des photos, tu mets, tu es blasé par lui, c'est qui c'est un blogueur comme tout. Va te faire comme Lolo. Lolo, c'est la souris, bon, je l'avais le tchat, bro. Famille. Aïe, premier niveau. Quel moment est-ce à point? Lui, c'est pas que vous, c'est vous les mouvres. Tu n'as pas honte. Tu mets les fesses à ce camerounais dehors. Parce que tout le monde va leur parler. Je suis, j'ai le parler au camerounais. Tu sais quoi? Tu as pensé à tout le monde. Dada Lolo, elle parle. Elle dit qu'elle a donné les tubes au camerounais. Quel camerounais? Quel camerounais? C'est une femme qui veut, qui va voir, se filmer. Demain après demain, tu vas entendre que les contrats qu'elle a signés là, que c'est elle qui a fait. C'est elle qui a financé. Je vous dis que vous, les femmes qui collez l'image à celle Wolowos là, demain ne venez pas pleurer. Parce que si vous venez pleurer, moi-même là, je veux vous laver. J'ai dit que je veux vous laver. Parce que Temba Nadège, tu étais dans ton coin. Tu étais avec les Ivoiriens. Tu étais avec les Ivoiriennes. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Avec, chez la Wolowos là. La chienne qui lèche les chiens là. Maman, quand tu colles ton image à une poufiasse, à un papier hygiénique après usage, sois sûr que le jour que tu ne veux pas accepter qu'elle te lèche, hein? Ou bien que tu dis quand t'es dit que achète le chien, je veux lécher avec le chien. Maman, ton nom sera dehors. Le jour là, on serait ici par terre. On serait ici par terre. Elle dit que c'est sa maison. Une femme qui va compter les 1 dollar. 1 dollar là, on sait de ça. 1 dollar, tu ne peux pas aller bosser. Tu ne peux pas aller travailler. Depuis que tu es enfant, en France, combien de temps de main? Combien de temps de main? Combien d'années de main? Maman, on peut faire ça. Combien de temps de main? Tu ne fais que prendre la jambe de tes followers. Maman, tu ne fais que venir pleurer ici. À chercher, comment, pour qui veut t'aimer. Que qui aime. Comme je te dis, comme tu me disais souvent, que tu n'as pas de famille. Tu cherches l'amour. Hein? Tu viens prendre, tu as pris la femme de amour et déposé, c'est ta soeur. C'est pas ta soeur. Tu as pris ici, tu as déposé sur les réseaux sociaux. Hein? Tu prends Tata Lolo, que si tu tombes là, qui va te porter, c'est Tata Lolo. Tu crois que les écans vont te porter? Pas à cause de la Starmania, tu mets tout le monde, tu abandonnes toutes tes soeurs. À cause de la Starmania, parce que tes soeurs ne veulent pas se rabaisser. Mais comme les Unquois commencent à lécher les pêtes blanches, tous les vieilles là, qui sont dedans là, ça lèche, maman. Le sperme a monté dans leur tête que, à la place du cerveau, c'est le sperme qui ont foutu dedans. Donc ils ne voient rien quand ça va les arriver, Adama. Donc toi là, ma lèche, ma salité, ma bordé, sans rien faire. Combien d'années de borderie? Combien d'années de borderie? Tu es française, pourquoi tu as fait passer ta mère par le Schengen? Pourquoi tu es parti supplier une autre femme pour faire entrer ta maman? Excuse-moi. Quand on va faire le salon, on va faire le salon. J'ai dit que toi, tu es ma cible. Aujourd'hui, demain, après-demain. Tu vas regretter pourquoi tu as osé ouvrir ta bouche là pour parler de Nancy. Tu vas regretter pourquoi tu dis que tu es française avec le passeport sur la poitrine. Mais tu vas supplier une autre femme pour faire entrer ta mère. Combien de temps de main? Tu crois qu'elle peut supplier? Je fais le certificat d'hébergement pour faire entrer quelqu'un. Oui. Ah, je fournis tous les papiers. Taxe foncière. Tout. Titre foncière. Je fournis tout. Toi, combien de temps de main? À Wolowos, tu n'es pas fatigué. Même à 43 ans, tu les valises. 43 ans. Hein? 43 ans, tu tires les valises. Ouh, maman, à quel moment tu vas te fatiguer? Parce que ton chihoule est cassé. Les asticots sont sortis dedans jusqu'à. À quel moment tu vas arrêter de tirer?
regarder les stars, les vraies stars de la Côte d'Ivoire. Emma Louès, tu as vu comment Emma Louès fait? Maman, tu peux dire que tu es star, toi. Emma Louès, que quand elle entre, on ouvre la portière. Elle monte. Maman, toi, tu es quel genre de star? Les stars qui tirent la valise, les stars qui n'arrivent pas à montrer, Emma Louès, qu'on va voir si tu tombes. Elle avait les jeunes. Elle a dit comment que tout n'est pas facile. Emma Louès, hein? Une valise à cause de la Starmania, tu tires les valises. Tu gâtes toute la jeunesse camerounaise. Tu leur montres que c'est les tireurs de valises. Je vais regarder. Emma Louès a les entreprises. Emma Louès vend les perruques comme moi. Emma Louès, elle roule dans les grosses bagnoles que toi-même, tu ne rêves même pas rouler. Borde, borde. Tu viens dire que tu es star. Quelle star? Quelle Starmania? La Starmania te fait quoi? Maman, les gens font la Starmania et ils roulent dans les grosses bagnoles. Ils construisent les maisons, ils font les entreprises. Toi, tu fais quoi? Ma chien, tu fais quoi? Chienne, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu as coupé le ventre, tu as mis ici, tu as coupé, tu as mis là. Tu as, déformé même les lèvres. Quand tu montes la photo là, la photo où tu dis que tu étais, voilà, quand j'étais jeune. Regarde-toi sur cette photo là et tu regardes-toi maintenant pour 1 €. Star de 1 €. Ah oui. Star de 1 €. Hein? Un chien. On te donne un chien pour 1 €. Pour que tu couches avec un chien pour 1 €. Et ça, c'est ça que tu appelles ça, star. Star de ma couille, borde, borde. Je préfère encore les gens comme Tata Lolo qui sont fiers. Hein? Comme les gens qui travaillent avec leur. Je préfère encore Tata Doudou qui travaille à la sœur de son front. Elle te montre comment elle fait ses misouras. Ah oui, oui, je préfère les gens qui travaillent. Toi, tu montes quoi? Tirer les valises. Tu montes les valises les valises qu'on fait la promotion à Carrefour là-bas. Les valises qu'on fait la promotion. Voilà, regarde. Voilà la valise que tu montes. Voilà ça. Tu vois, tu as le jaune. Moi, ça, je prends ça pour mettre mes perruques. Je prends ça pour mettre mes perruques, les gens. Pour m'aller avec mes perruques en campagne ici. Toi, tu prends ça pour quoi faire? Pour aller tirer les valises. Une femme comme toi. Maman, il faut avoir un peu de dignité. Il faut avoir de la personnalité. Tu es vide. Même le papier gêné encore. Quand on a fini d'utiliser, c'est encore passable. Maman, quand on jette même là, le papier gêné, ça a du mal à partir. Mais toi là, quand on tire la chasse, tu glisses une fois, on ne te voit plus. Le tout si tu veux descendre aux enfers. Voilà. Tu as fait un mouvement ici au Cameroun. On essaie de tuer la vie des personnes. On essaie de tuer la vie des Mireille qui pleurent. Ces enfants qui pleurent, enfin, ils seront orphelins. Qui n'ont plus le pain à côté d'eux. Tu leur as parlé de leur vie. Laisse leur vie tranquille. Leur vie, c'est ma soeur. C'est ma voisine. Partagez la vidéo. Mettez le cœur. Soutenez la page. Elle n'a même pas honte. Je te dis. Oh, Mireille, elle fait les larmes de crocodile. Tu as pleuré pour t'occuper de ta mère quand. Tu as occupé déjà de la mère en France. Pourquoi elle a donné le boujo? Une mère qui t'a fait un carolo. Tu m'as fait tout ça en carolo. Ta mère a soupiré. Gloria. Je vais te montrer, mais Gloria. Ta mère est carolo. Ton fils est français. Il vient d'avoir 10 ans. Ta mère est papier. Tu m'as dit qu'on n'est pas le papier. Toi, tu sais, ta mère n'a pas le papier. Mais c'est chienne. Une peste comme ça là. Elle veut parler à Mireille, une fille qui est diplômée, une femme qui s'exprime en français, pas le français des vendeurs de piment, une fille qui touche le français, qui le parle au Cameroun, elle a cité l'annonce, la façon qu'elle a annoncé le deadline. Pardon, tu veux qu'elle annonce ça comment? Qu'est-ce qu'à chez nous? Question. Elle a annoncé le deadline parce qu'elle a eu la pression des réseaux sociaux. Les gens ont eu les doutes que l'on peut être envahi, le père de la femme n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a pris des Ivoiriens. Ils sont venus de demander une audience, une doléance, un ouais, pardon. Il faut voir que tu dis quelque chose. Elle a fait ça malgré elle. Elle ne veut même pas parler. Elle ne veut pas parler. C'est pour taire les gens comme le fou qui avaient la enquête de monétisation. Ouais. Elle veut taire, vous fermez vos gueules. Ça qu'elle a fait ça. Elle est obligée de le faire. Elle n'est pas la première qui annonce un deck. Même les dopeurs qui prennent les enfants, ils annoncent un deck en plein radio télévision. Pourquoi le crime d'avoir fait le fait des gosses, d'avoir conduit le fait d'enfants est mort? Question! Chez qui? Vous demandez pardon. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mireille? Tu as fait pisser ses larmes? Des larmes qu'elle a poulées devant le monde entier? Tu as fait pisser cette femme qui a été humiliée? Qui a été humiliée dans les gens pleurer?
Tu n'as plus pitié d'être égocentrique. Ça veut dire quoi? Ta chirurgie va jamais donner. Non. Le sujet sera toujours gros. Tu vois, tu as le depuis que ma part. J'ai jamais fait la chirurgie. Les seins sont tous percés. Je t'ai dit. Avec les boules, boules, boules. Son poids, les boules, 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 boules. Elle ne peut pas mettre le mal de bain. Elle va pencher. Les boules, 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 pour appuyer. Tu es bon, tout le bouger, elle bouge ça. Mais tu es bon, tu es bon. Tu es bon, papa, ton père est noir. T'as le noir fini avec. Ton père est noir. Ton père est noir. Je te dis. Je ne peux pas saluer une femme comme hier. Insulte-moi comme tu veux. Mais on n'insulte pas une femme qui a perdu le père de ses deux enfants. La méchanceté. Il veut pleurer aux yeux du monde. Elle dit que le père de mes enfants, il aimait son village. Il veut rentrer chez lui, aidez-moi. Elle essaie de parler de convaincre la fichette. Qui vient lui faire le direct. Elle lave les crocodiles. Elle est pleurée par Dieu. Elle est là-bas demander pardon. Tu as fait ton sorcier qu'on appelle Makoso. Makoso, c'est qui? Makoso, c'est un parfait voleur. Makoso, c'est un parfait voleur. Tu vas me blaser. Tu as les millions sur mon Facebook. Tu as les millions sur mon Facebook. Un parfait qui a les millions, c'est quoi ici? Un parfait qui a les millions, tu fais quoi là? Je t'ai dit. Makoso, tu ne sais pas le bas bien des femmes ici là tous les jours. Un parfait qui est fini de ton femme. Un parfait qui est fini de famille des gens. Un parfait qui est fini de tout le monde. Tu es mieux que Bobby. Question. Tu es mieux que Bobby. Pour aller parler plus vite. Il y a des incidents. Même si tu dis la mambo, hein, elle est mieux que lui. Elle est mieux que lui. Elle a détruit la femme camerounaise. Elle a sali mal la femme camerounaise de la diaspora. C'est que lui, mon retour camerounais, qu'au monde entier, les camerounais vendent le piment, les camerounais de Paris vendent le piment dans les camions. C'est elle! C'est lui, mon retour, ça au monde entier. C'est elle! C'est lui, mon retour, j'ai dit qu'il y a les camerounais dans 10 mois street. C'est elle! C'est elle! Oui! C'est lui, c'est les bons en direct. C'est elle! C'est elle qui a défendu les familles salées. C'est elle! C'est elle, c'est cette qui? C'est elle! C'est qui m'en va derrière? Dangereuse de première catégorie. Yeah. Menteuse! Ouais! Menteuse! Chantal, il va te battre! Je te dis! Tape-la! Elle va te battre au Cameroun! Il y aura zéro plainte! Elle va t'arrêter, elle est dans son secret, elle va te taper! Moi-même, je vais aller l'aider! Sans plus! Elle a dit que le toucher va te battre. Je vais aller l'aider. Les gens vont dire si le nom est pour le Corossa. Elle ne fait pas le Corossa. C'est ça qui ne fait pas le Corossa. Tu as compris. Tu t'es interdit de parler des traits. Laisse-y faire que toi, tu as demandé pardon, c'est bien. Mais tu es maman. Ton pardon est accepté. Mais ne fais plus jamais ça. C'est ça qui est ça. Tu touches en gré. Ni elle n'est pas responsable de ce que Bob y a fait. Non, je n'ai pas fait les étoiles, ma. Ce n'est pas grave, t'as écouté, gardez les étoiles pour dimanche, j'ai pas besoin ma soeur. Benton est responsable, ma Mireille n'est pas responsable de ce qui arrive, c'est que des Ivoiriens. Des bombes dans les réseaux sociaux. Oui. Mireille, quoi qu'elle arrive avec son mari, en ce moment, l'homme est à terre. C'est la vie, c'est l'image de ses enfants. Une femme dans une bonne image. À son mari, au père de ses enfants, parce qu'ils grandiront avec cette image. Et là, les temps qu'on a été dans les barricades, elles demandent à eux de venir raconter dans les réseaux sociaux. Leur père est mort. Ils vont grandir. Ils vont voir leur mère en train de dénigrer leur père. Trois jours après sa mort, ils verront le moment comment. Tu as pensé à des enfants là, qui demandent à Mireille de venir dans les réseaux sociaux, trois jours après la mort du père et ses enfants, de parler mal de lui. Quand ces enfants grandiront, ils vont voir ça. Imagine la haine qu'ils ont contre leur mère. Je t'ai dit. Parce que tu veux les étoiles, parce que tu veux la monétisation. Et là, moi, je suis arrêté. J'ai l'argent, j'ai amené ma mère enfant. Vous venez regarder une bobotouffe. Elle a pour le temps qu'elle passe avec toi. Maman. Maintenant, elle a 1 million de vues. C'est votre problème. Ici, nous sommes là. Voilà. Voilà, nous sommes ici. Ma part est monétisée, ma part n'est pas monétisée. Tu as compris? Une déchet haineuse, sorcière. Tu as dit, tu voulais avoir un gosse en prison, elle est sur le nez. C'est ça. Et là, on est sixième. Tu parles d'Afrique. Tu es une mamie Congo, c'est international. Aïe. On est des têtes. De premier degré. Mamie Congo, ça. Tu n'as pas d'ami. Personne n'est ton ami. Que toi seul. Tu n'as que les followers, les petites pisseurs qui vont les dans les mamies au Cameroun. Tu n'as pas les vrais followers. Tout le monde te
colon t'a vomi, sorcier parapé. Tu as dit quoi de moi? Déchet, méchante fille. Déchet de la nature, saleté. Je suis une femme qui est propre. Avec ton visage, ton Dieu connu là, tu veux parler quoi? Tu veux parler de Mireille? Elle a fait comme ça. Elle ne parlera pas dans ton direct. Jamais! Tu veux du vampirisme? On a vomi! Une sorcière ne parlera pas dans ton direct. Elle ne parle pas avec toi. Elle est là, elle va faire comme ça. Tu peux parler comme une femme. C'est parce qu'elle est habituée à voir que quand elle dit à quelqu'un que viens parler dans mon direct, tu couilles, la personne couille, couille. Donc elle n'a pas supporté. Pour une fois, quelqu'un refuse de passer dans son direct. Donc c'est ça qui la met dans cet état. Maman, elle est devenue une femme aigrie. Maman, quand on ne te donne pas bien le gomayor là, c'est grave. C'est gravement grave. J'ai dit, c'est gravement grave. Le tout-ci, c'est un vrai tout. Tu veux tomber. Tu veux tomber, le tout-ci. Ah, tata Lolo, vas-y. Il t'a lavé, mais c'est comme un chien bruit. Tu vas me lancer, tu vas me pousser. La noire. Je vais vous poser sa photo, elle était noire. Elle met une photo avec le fils, elle était égale. Je vais vous mettre la photo, tu étais noire. Noire. Un contact comme vous là, au gars à la nuit, je vais mettre. Quand moi, je suis salé comme ça là. Quand il voit les déchets, on est oh non, oh, ça, les camarades, quand moi, les bureaux. Tu n'as pas honte. Quand moi, une méchante fille, tu as vu le sang des filles. Tu bois le sang de Mossa, tu bois le sang de Bolivo, tu bois le sang. Tu entres chez les mamans, quand tu portes de l'aide. Tu dois te refaire quoi? Parler quoi avec les vues dans les réseaux sociaux? Tu vas dominer. Tu vas dominer tout le monde, tu ne peux pas. C'est le mal que nous ne tu parles de bien, je sors sur toi. Saleté. Tu n'as pas de délivrer ta soeur camerounaise pour une histoire de vie. On s'en fout. Oui, c'est pour toi. Maman, va pas parler. Tu peux te dire. Tu as compris, je n'ai pas peur de toi. Allez, tu vas appeler les 5 femmes qui ont les réseaux sociaux. Tu es une vendeur de piment. Ton métier est vendeur de piment. Tu n'as pas de parfum. Tu es présent des vendeurs de piment autour de toi. J'ai eu le mari. Tu m'en as pas le mari. Le mari, madame, elle est mariée. Tu as été propriétaire. Femme qui ne se respecte pas. Tu dis, tu parles à qui? Marie Noël Dina, tu parles à qui? Hein? Chapuis, quoi? Tu ne vieillis pas, tu vieillis, femme qui ne se respecte pas. Toi qui, toi tu te respectes? Montre-moi ta gueule. Montre-moi ta gueule. Je traite ton faux cop. On t'a dit que regarde-moi, regarde une femme de 50 ans. Oh, tu peux avoir une femme comme moi. Toi, tu te respectes, toi. Tu te respectes. Hein? On t'a dit que je mangeais chez une femme. Ha! On est quand même appelé chez elle. J'ai vu. L'immeuble, tu as vu le jardin qui est malade. Là où est le mon adversaire dans son jardin. Au Cameroun. Aoudia. Ok. Merci, Michou. Tu as compris? Tu n'as rien. Papa, c'est Aïssia. Tu n'as rien. Aïssia, d'accord, j'ai compris, ma soeur. Ton fils est où? Aïe, la vie dans le HLM. Oui, j'ai compris. Oui, ma fille, j'ai compris. Tu veux parler de la mère de toi, hein? Désolé, Marie Noël Dina, désolé. Tu veux pas aller ici? Tu la vois? En beau, en tout, la vois. Tu as dit que la mère est la chinoise, tu es malade. Tu as des gens dans le chinois, c'est la meilleure. Parmi tous les dames des chanteurs de Cameroun, c'est la seule qui, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Il n'y a pas son deux.
Il n'y a pas son Dieu. Tu as compris, il n'y a pas son Dieu. Jamais. Tu n'iras pas là-bas. Tu n'iras pas là-bas. Mais tata Lolo, toi tu as les vrais soeurs. Elle est partie ajouter. Elle est partie ajouter et c'est moi qui veux percer ça. C'est moi qui veux percer ces soeurs. Elle n'arrive même pas à trouver le soutien. Regarde, une femme doit porter le soutien, les soeurs ne dansent pas. Que regarde, tu fais ça, les soeurs ne dansent pas. Mais elle peut faire. Les seuls sont là devant les babouches, elle enroule comme ça là. Elle met, même comme ça, ça descend comme ça. Je te dis, elle veut parler. Elle a quoi? Tu ne fais pas bisous, tu ne manges pas. Fais bisous à ma mère. Je te dis, c'est toi qui montre. Mais si on te dit avec moi, tu ne passeras rien. Tu ne passeras rien à te battre. Tu n'as pas ça. Tu as compris? Elle est pour les enfants. Voilà, chante la vie. Mais moi, je suis là. Tiens. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Ici chez Nancy, vous avez le. Ici chez Nancy, vous avez du collagène. Le collagène ici, on vend du collagène. On vend des lunettes ou les lunettes de soleil. Hein? Il y a d'autres qui viennent d'arriver là. On vend aussi des gaines. Hein? Allez dire à Angoué Satan. Qui a les gaines à vendre ici. Hein? Vous avez les lunettes comme ça. Hier, je vous ai montré d'autres à noir. Hein? Il y a d'autres qui sont arrivés là. Hein? Vous avez ici. Venez chercher vos lunettes. Hein? Venez chercher. Vous avez les gaines. Hein? Pause publicitaire. C'est ça qui est ça. Le Congo, ça va deux minutes. Hein? Vous avez...
une femme qui n'arrive pas à trouver son soutien. Hi, Adama, le soutien de ça. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive même pas à se mettre. Ouh, regardez. Celle-ci, je vous ai montré ça hier en bleu. Aujourd'hui, c'est en panthère. Regardez. Panthère, hier, c'était l'écran était ici, là. Était bleu. Et là, vous avez vu noir. Mais là, c'est panthère. Et là, hein? Donc, passez vos commandes. Venez acheter vos lunettes. Hein? Parce qu'il y a les gaines ici. Ah, merde. Pardon. Il y a les gaines. Ici, aïe, 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 ne me chasse pas là. Ici, vous avez les gaines. Ah, vous avez les gaines. Pour serrer votre ventre, regardez. Pour serrer votre ventre, vous avez ici les gaines comme ça. Hein? Vous avez les gaines comme ça. Eh, on pisse là. Tu n'as pas besoin de te déshabiller. Hein? Vous pissez là. Il y a les gaines ici. Hein? Allez appeler Mamie Mboma. Qu'il y a ici les nouvelles choses. Elle vient Nancy là. Lui montre comment on fait le ventre. Vous avez les gaines. Ça vient d'arriver. Premier arrivé, premier servi. C'est ça qui est ça. Hein? Vous avez ça là. Regardez. Pour serrer. Maman, venez voir. Oh. La chimamélu de ça. La chimamélu. Hein? Vous serrez encore. Maman, faut serrer les ventres. Hein? Vous serrez. Là, même quand tu portes. Hein? Tu portes une petite robe comme je porte comme ça là. Comme je porte comme ça là. Hein? Vous mettez. Tu mets ton collant en bas. C'est ça qui est ça. Oui, oui. Ça même, ça glisse. Hein? Mamboma, comme tu as comment on appelle ça? Comme tu as tu portes les longues robes là. Viens chercher ça là. Hein? Ça là. Chez Nancy Beauté Bitu, on trouve de tout. Oui, un seul numéro prête. C'est ça qui est ça. Vous avez les gaines pour bien serrer le pochon. Les fesses qui font flap, 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 flap. Là, quand vous marchez, ça fait flap, flap. Ça tombe. Regardez. Tu mets ça là, tu serres ton ventre. Les mamans là, venez me voir. Moi, je les gaine ici. J'ai dit les pantalons, mes mamans. Tu portes avec un petit haut. Tu pars boire tes bières. Tranquillement, tranquille. On ne voit pas comment les fesses dansent. On ne voit pas comment les fesses dansent. Les fesses qui font tchac tchac. Vous mangez, ça fait pop, 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 pop en route là. On ne voit pas ça. C'est ça qui est ça. Vous voyez, non? Donc, chez Nancy Beauté Beauty, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Vous avez, l'arrivage est arrivé. Hein? L'arrivage est arrivé. Venez serrer vos bochons. Hein? Ne laissez plus vos fesses tomber. Hein? Les fesses qui font tchop, 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 là, on ne veut plus avoir ça. Venez prendre ici. C'est ça qui est ça. Hein? Vous avez les lunettes. Je vous ai montré les lunettes hier. Donc, il faut oser. Ne regardez pas les vieilles wolowoses là qui vous montrent comment ils font. Donc, mes gens, on va continuer ça demain. Parce que là, j'ai mon petit-fils arrivé, comme je vous ai dit, que je devais arrêter. Apparemment, Tata Lolo fait aussi le direct aujourd'hui à 20h. Donc, il faut que je sois au robot. Pour qu'on ne vienne pas me raconter que je sois là. Tata Lolo, si tu m'as bloqué, il faut me débloquer. Parce que le tout, si le Japon est bien partout, il faut me débloquer. Hein? Il faut me débloquer. Je suis électron libre maintenant. Tu n'as plus raison de me bloquer. Donc, débloque-moi. Pour que quand tu fais les directs, hein, je viens m'installer au premier banc. Je vois. Comme ça, je prends là-bas, je décortique. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Donc, on va continuer. J'ai bien calé à l'heure qu'on a fini. On va continuer demain. Hein? On va continuer demain. Parce que j'ai aussi les colis que je dois livrer demain.
Je dois livrer les colis et je dois les emballer ce soir. Je vais profiter comme ma fille est là pour que j'enregistre, je paye et demain matin, je m'en vais envoyer. Donc, si les gens, quelqu'un veut passer sa commande, si quelqu'un veut commander quelque chose et que vous voulez que ça arrive, c'est maintenant ou jamais. Hein? Vous passez vos vous m'appelez, je peux répondre au téléphone, hein? Même si ma famille est là. Je peux répondre au téléphone, le business, on peut répondre au téléphone. Hein? Parce qu'il faut que je m'occupe de mon prince. Vous voyez, non? C'est son anniversaire aujourd'hui. Mon petit-fils a 2 ans aujourd'hui. 3 ans. Quoi? Comme bonbon. Ah, voilà, tu as bonbon aussi. Dans la... Ah ben, c'est quoi les chocobons? Voilà les chocobons là-bas, derrière là. Et n'oubliez pas, vous avez ce produit pour entretenir vos perruques. C'est 10 euros, ce produit-là. Quand vous commandez vos perruques, et j'ai un stock. Quand vous commandez les perruques, commandez ça. Voilà. Ça va se passer chez à cœur ouvert avec Tata Lolo Fodja. Donc, allons là-bas. On va aller écouter. Même si je suis en famille, je peux écouter. C'est ça qui est ça. Hein? Donc, on va écouter. En attendant, je vais couper le gâteau de mon petit-fils. Parce que c'est mon prince. Vous avez... Regardez, je ne vous ai pas montré ça là. Maman, ça là, elle a deux ici. C'est-à-dire que ça te tient bien là. Venez commander vos petits trucs. Comme ça, vous pouvez porter en bas des vêtements quand vous portez une robe comme ça. Hein? Vous allez dire que, oh, elle nous présente même. Est-ce qu'elle-même, elle a porté? Attendez, je vous montre. Hey! Hein? Voilà pour moi. Pourquoi? Ta maman androïde, j'ai peur de mon corps. Regardez. Oui. Regardez le corps. Voilà pour moi que... Hein? Voilà mon corps, ça m'arrive là, en bas. Oui. Regardez. Et puis je maigris, hein, regardez. Ça même c'est grand. Oui, mais j'ai porté ça pour vous montrer que voilà, ça sert. Ça c'est la bonne qualité. Ça te sert le ventre. Ça te fait le ventre d'ici. C'est ça qui est ça. Voilà. Regardez le ventre de la maman. Pas de rides. Rien du tout. Donc venez acheter pour vous. Les mamans là, c'est le temps de se rajeunir. C'est le moment de se rajeunir. Ne dites pas que non, je n'ai pas vu. Donc je ne sais pas où on achète. C'est le moment de se rajeunir. Venez acheter les collants chez votre soeur pour élever votre soeur. Comme ça, vous mettez en bas des habits. Quand tu portes, regardez comment ça donne. Regardez, maman, ça te dessine les formes. J'ai dit, ça te dessine les formes. Regarde, quand tu portes ton habit, tu es au taquet. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Donc, venez acheter. Venez prendre pour vous. Premier arrivé, premier servi. Vous avez les lunettes, vous avez les gaines, vous avez le collagène, vous avez hein, le guta. Le guta de l'heure. C'est ça que je bois en ce moment. Le guta de l'heure. Il y a 30 bouteilles dedans. 30 comprimés. C'est ça que je bois. C'est ça qui me rajeunit. Ça me tire. Donc venez chercher. Quand tu prends ça là et tu ajoutes la grosse boîte là. Maman, ce qui veut faire, même la crème là, tu ne veux pas. Tu ne veux pas, comment on appelle ça? Tu ouindes la crème. Ça fait le boulot. Venez, on forme l'équipe choc par ici. Laissez les jeunes là-bas là. Laissez les jeunes. Baisse ton volume là. Laissez les jeunes. Hein? Ici là. Nous, on se rajeunit. C'est ça qui est ça. Hein? Même belle quoi. J'ai dit, la beauté là, c'est par ici. 50 balais. Pas de rides. Pas de machin. Pas de regarder le visage. Il n'y a pas de rides. Je ne m'inquiète même pas. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Donc, venez par ici. Ici, là, laissez les jeunes là. Ici, moi, je vends le popo. Les gars, ça tire le petit produit là. Ça tire les rides. Ça ne veut dire qu'il ne discute même avec personne sur ça là. Ça tire les rides.
ça te rend les rides. C'est-à-dire que même les rides, le visage là, on te demande que, qu'est-ce que tu prends. Oui, oui, oui. On te demande le petit machin, il y a 30 comprimés dedans. Tu bois, ça fait le boulot. 30 comprimés dedans. Venez, il n'y a même pas. Regardez le peu qui reste. Donc, venez. C'est ça la pub. Oui, oui, oui. Ne venez pas dire que oh, la maman là ne se respecte pas. Je fais ma pub. Qui, si je ne fais pas ma pub, qui veut faire la mienne? Qui veut me faire la pub? Je fais ma pub et je n'ai pas honte. Moi, j'assume mon corps. Hora. C'est ça qui est ça. Dis d'angoisse Satan de montrer son corps. Qu'elle montre aussi comme moi aussi, j'ai montré là, on voit. Pas le bop, 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 bop. Dis d'angoisse Satan de montrer. Hein? Quand on voit avec les bras dansent déjà. Regardez les bras de votre maman. Ici là. Parfois même vous voyez les femmes ici, ici à ce niveau, ça tombe. Chez moi, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Donc venez. Venez acheter. Donc ça fait combien de temps ici en direct? Ça fait combien de temps je suis en direct, mes gens? Là, mon petit-fils a pris mes téléphones. Ça fait de combien de temps je suis en direct? Parce que si je ne peux pas continuer le direct parce qu'il y a trop de gens derrière à côté de moi. Et j'ai ma famille qui est arrivée. Donc je ne peux pas. À une heure de direct. Merci ma fille. Donc moi je vais vous laisser. On va continuer demain. Je vais fêter les 3 ans de mon petit-fils. Donc je suis en train de préparer. J'ai fait un petit gâteau. Avec, j'ai mis les apéritifs qui sont arrivés. Ils sont déjà tombés sur les apéritifs. Donc là, il faut que je sois 1h56, presque 2h. Donc on va continuer. Là, j'ai calé. J'ai calé. On est resté à 1h06 du direct. Demain, on finit. Après, on va prendre comment on appelle ça? Les FBI. Allez travailler. On a besoin du Congo, ça. Allez bosser. Vous envoyez. Oh, merci Niki. Merci, merci ma grande soeur. Ton petit-fils fête ses 3 ans aujourd'hui là. Mathieu, viens, viens voir mamie. Ça, c'est mon petit prince. Mon petit prince qui va voir. Hein? Mon petit prince. Il dit que mamie avait dit que c'est le mot. Il dit que mamie avait dit que monte pas sur la caméra. Pourquoi elle me monte? Donc, c'est mon petit-fils, c'est mon prince à moi qui veut fêter, qui fête ses 3 ans. Donc, je vais vous laisser, mes gens. Et je vous dis à demain. Demain, je dois aller envoyer les colis. C'est pour ça même que je voulais, parce que j'ai les colis à emballer. Tout le monde. Et puis, avant que j'oublie, chaque personne qui envoie son jet, que envoyez, laissez-moi un message sur WhatsApp. Tu envoies ton jet, tu envoies le message. Tu fais les captures d'écran de ce que tu veux. Comme ça, ça me permet de ne pas oublier. Ça me permet. Oh, merci Corinne Yenga. Merci pour les étoiles. Merci ma soeur chérie. Hein? Donc, je n'oublie pas. Donc, envoyez, commandez vos perruques. Demain, je finis à 14h et je serai à la poste pour aller livrer les colis. Parce que, et je remercie, je ne veux pas finir le direct sans remercier à ma cliente fidèle, ma cliente exceptionnelle, ma cliente, je dis qu'elle est Android, ma cliente VIP de la Guyane. Franchement, merci. Cette cliente-là, elle a pris le lisseur que je vous ai montré hier. Au moins, quelqu'un qui connaît la qualité. Elle a pris. Ça, c'est une cliente que oh, Seigneur Jésus, protège-la. Protège cette cliente-là. Ma petite cliente de Guyane, que Dieu veille sur toi. Que tout ce que tu touches, que ça devienne de l'or. Maman,
Je te remercie de ta fidélité. Je te remercie de tout ce que tu fais. Maman, en un mois, on peut avoir une cliente comme ça. En un mois, ce que la cliente là a fait. Mon Dieu, merci ma cliente de la Guyane. Elle a dit que elle a reçu son premier colis. Et là, je vais envoyer un deuxième colis. En un mois. Et elle a pris le lisseur. Hein? Le lisseur que vous voyez là. Le lisseur. Et là, il ne me reste qu'un seul. Elle a pris le lisseur hier. Oh, on peut avoir une cliente fidèle comme ça. Une cliente Android. Il me reste un seul. La personne qui veut, venez chercher. Après ça, je ne sais pas si je vais encore trouver. Donc, venez donc là, je vais envoyer. Voilà le carton. Je veux emballer ce perruque. Elle a pris 3 perruques, une lisseur et 2 paires de lunettes. C'est pas belle la vie. Une seule cliente en un mois. 2 commandes en un mois. Oh, oh mon Dieu. Que Dieu bénisse tous mes clientes. Que Dieu veille sur eux. Que Dieu les remercie. J'ai dit, comme Dieu m'a envoyé Edith Michel et Carole Kouen et Corinne Yenga, c'est comme ça que Dieu m'envoie aussi les clients fidèles. Les clients qui disent que nous, on n'a pas pu ailleurs. On reste que chez toi. Donc, je dis merci à cette cliente-là. Merci, ma soeur. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te protège partout. Tu pars. Où tu poses ton pied. Que Dieu te protège. Comme je prie aussi tous les gens qui me soutiennent. Tous les gens qui veillent sur moi. Tous les gens qui sont toujours avec moi. Tous les gens qui ne me laissent pas tomber. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que tout ce que vous faites dans vos vies, que vous prospérez. Que Dieu vous envoie plein de lumière, plein des étoiles. Que votre vie brille tous les jours que Dieu a créé. Tant que Dieu vous donne le souffle, la force, que vraiment votre vie soit une étoile toujours en train de briller. Merci ma Corinne. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci du soutien que tu m'apportes. Merci beaucoup. Merci à ma soeur que je n'arrive pas toujours à lire son nom. Ma soeur qui m'a donné 500 étoiles tout à l'heure. Mes filles, il faut lire son nom, il faut la remercier. Elle m'a donné, la première personne qui m'a donné 500 étoiles. Il faut la dire merci. Je cherche encore comment prononcer son nom sans écorcher son nom. Donc, ma chérie, tu veux te reconnaître. Merci beaucoup. Ils sont 2 qui m'ont envoyé 500 étoiles. Je vous remercie. Et merci, Corinne. Merci beaucoup. Merci, ma milliardaire, pour tout le travail que tu fais, pour tous les conseils. Merci, Michou, de ne pas me laisser tomber. Merci. Merci, Carole Kouen, pour le boulot que tu fais. Merci à vous tous. Je suis reconnaissant pour vous tous. Dans toute ma famille, là, je suis reconnaissant. Aujourd'hui, demain, après-demain, soyons unis. Soyons unis. C'est l'union qui fait la force. Ne baissons pas les bras. Soyons toujours ensemble. Gros bisous à vous tous. Oh, ma Carole Kouen. Oh, mon amour de cœur. Oh, ma soeur de cœur. Que Dieu veille sur toi. Tu es un ange. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu es là. Tu es toujours là. Donc, merci Michou. Merci à toute la famille. Franchement, sans vous là, je ne sais pas ce que je serai. Vous me motivez à aller en avant. Même si je suis là pour faire le Congo ça, mais vous êtes toujours là pour me dire que non, c'est le travail d'abord. Merci à vous tous. Merci de tout ce que vous faites. On est avec toi, ne t'inquiète pas. Merci, merci énormément. Et ce que vous faites, et c'est comme ça que vous emmenez les clients. Il y a beaucoup de clients qui viennent sur cette page pour vous voir, pour voir comment vous êtes solidaires, pour voir à quel point
vous me poussez, vous me levez. C'est ça une famille. Merci beaucoup. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je suis encore désolée d'arrêter le direct comme ça. Parce que, comme vous le savez, ma famille passe avant tout. Mais quand ils sont là, je suis obligée d'arrêter le direct et aller m'occuper de ma famille. Mais je peux répondre au téléphone. Je peux parler sans problème. Merci beaucoup, Michou. Merci à toute la famille. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. Allez, bisous à vous tous. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Tata Lolo, débloque-moi. Il faut me débloquer si tu m'avais bloqué. Parce que je n'arrive pas à voir tes vidéos. Et quand Tata Lolo en direct, partagez les vidéos. Partagez les vidéos, vous envoyez pour que nous là, on puisse faire le boulot. Hein? Ou eux, ils n'arrivent pas, nous, on vient compléter. Vous voyez, non? C'est comme ça. Donc, on va continuer la vidéo là demain. Et si on a 3 vidéos à faire, n'oubliez pas, il manque encore 2 pour Dorcas. Allez chercher. Allez chercher pour Dorcas. Et je ne sais pas qui encore. Vous allez chercher, vous envoyez. C'est ça qui est ça. Allez, gros bisous à vous tous. Que le Seigneur veille sur vous. Ciao, ciao.